Et bonsoir le stream. Bonsoir le stream. Bonsoir le stream. Et bonsoir YouTube. On se retrouve pour l'épisode 44. Déjà. Et le résumé de la dernière session va être fait par Nélin, alias Ptiro. Yes. Alors, dernière session. On était entré dans la salle centrale de la grotte au squelette. Et on s'est combattu en fait. Concrètement, il y a des, on s'est combattu. Il y avait donc, alors il y avait trois squelettes, dont un en armure, de souvenir. Lanceur, je me souviens plus. Ils ont été buff par un, Il y a tué le vieux en armure qui a été buff. J'ai plus son token d'ailleurs. Ouais. Celui tout pouilleux qui a été buffé en, en squelette électrique avec son ouais. bouclier, son armure complète. Il est... Ils ont été buffés par le... C'est un spectre, c'est quoi en fait? C'est une sorte de spectre. Moi je dirais que c'est une liche. Hein. Il est minuscule. Hein. Oui, il est vraiment minuscule. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une représentation en hologramme. De voilà en vrai. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ouais, c'est une liche mineure, quoi. Ok. Minuscule intangible. Voilà. On est rentré donc dans cette pièce avec les crânes et les pièges qui s'en suivent. Donc les crânes qui font des, ouais. des passages qui font. Qui envoient voler tout sur leur chemin. On a combattu, on en a éliminé deux. On a éliminé. Déjà, Yali a commencé à lancer sa pioche et elle a disparu aussi. Voilà. C'était le gros drame du début de session, ça. Ouais, est-ce que le drame du début de session, c'est toujours un drame maintenant? Je crois que je me souviens plus de cette étape-là parce que j'étais en train de m'endormir derrière l'écran. c'est vrai que la dernière session... je m'en souviens. La dernière session, j'étais dans le gaz, je crois. Tout à fait. Donc, on s'est débarrassé du squelette à l'étrier, on s'est débarrassé de l'autre squelette... Tu es parti dans une grosse explosion. L'autre squelette, non, tu l'as déshabillé. Ah oui, non, c'est vrai, je l'ai déshabillé. Il était en armure, c'est vrai. Et je... on se retrouve à poil, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Et oui, donc, bah voilà, on s'est suivi. Les monstres qui étaient dans les autres pièces avant, de toute évidence, sont en train de se rapprocher. Et nous sommes en plein combat en fait. Yalil a été TP derrière le monstre aléatoirement. Ah. Voilà. Après avoir mis sa bulle, oui. Et c'était à qui de jouer? Au monstre. C'était au monstre. Bon bah, au monstre. Et donc, je relis tout. Oui, donc l'arbalétrier était parti dans une grosse explosion. Il s'était autodétruit. Yelin, en utilisant toutes ses ressources, et donc a déséquipé le squelette et elle-même aussi. Yelin a des problèmes de mana aussi. Ouais. Déjà, mais... plus, mais y a un truc qui va pas avec sa mana. Elle a remarqué. Et les monstres de l'autre salle arrivent. Morkan et Edouard les voient arriver. Et on a aussi Ash qui est en train de... Alors, Edouard a vu les monstres en premier. Il l'a signalé, enfin, il a gueulé, et en fait, Morkan a décidé de foncer vers les monstres. Ouais. C'est ça. Eh bien, c'est mon tour, alors. Allez, un petit D2. Ah, ça tape Edouard. Ça tape Edouard, mais ça rate. C'était l'arbalétrier ici. Ça rate très très fort, hein. Vache. Ouais. Oui, très, très, très fort, oui, d'ailleurs. La flèche ricoche et lui revient dans la tête. En fait, il vise tellement mal qu'il active le levier et la porte se referme. Non. Oui, ça ricoche et ça referme la porte. Ça fait tring, tring, tring. Oh, ce serait tellement drôle parce que c'est tellement ce qui est arrivé à chaque fois. Oh. Non, non, il va... Il veut surtout plus bouger, il va galérer avec son arbalète. Il l'a soit pété, soit...
La corde de l'arbalète a cassé. Ah, c'est ça aussi d'avoir regardé l'arbalète Non. sous la flotte là. Que la corde est pétée, c'est trop simple parce qu'il va la lancer après, donc non. Ok. Oh si, ou l'arbalète vol, allez. Comment on écrit arbalète? Crossbow. C'est ça, c'est une crossbow. L'arbalète vol. Choup. Ah oui. Alors, après, quel monstre on va jouer? On va jouer lui. Est-ce que le bras est parti avec? Oui. Ah, parfait. On Ok. va avoir une main comme ça qui bouge sur l'arbalète. Le squelette avance. 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 Est-ce que lui fait des dingueries? Carrément pas. Entre ces trois têtes là, ils savent plus où aller. Oh, les jets de DMJ là, c'est pas. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Ben, de la merde, super. Celui-là. Ok, ça c'est bien. L'électrique gagne une aura électrique. Ça te frôle, Niline, pour l'instant. Je te recule un petit peu si tu veux. T'as les poils des bras qui s'hérissent. Ça te frôle. Moindre centimètre de mouvement, tac, ça touche. Et donc. Oui, c'était un 80, donc il va juste se relever l'autre. Donc celui-là, du milieu, je l'ai oublié, il se relève. Et il a toujours sa peinture sur la gueule, je sais plus. Je l'ai enlevé. C'est Non, pas très. celui-là, c'est pas la fusion des deux autres. Non. Lui, il a jamais bougé depuis le début. Hein. Lui, il avait juste eu de la peinture sur la gueule et il ne voyait plus. Mais je crois que la peinture est partie pendant l'explosion, je crois. Ok. Ok, moi je vais faire ça. Il va pas avoir le temps d'attaquer. Il va juste se relever, prendre le casque qui a par terre dans la main et te faire face. Catal. Et lui, 1, 2, 3, 4, allez. 10-6. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh là. Oula. C'est Niline qui va prendre. Quoi? J'ai pas de. Niline, elle est dans une situation compliquée, hein, je crois. Ah mais Niline, elle se déshabille instantanément, il y a tout le monde qui est sur son cul, hein. C'est le charisme, ça. Je sais ce que tu vis, Niline. Moi aussi, on est tout le temps sur mon cul. Attends, j'ai combien de charisme? Est-ce que je peux prendre la pause? T'entends du fond de la salle? Mets un peu d'huile, ça fait ressortir les muscles! Ah, Non, mais... d'accord, on en est sur ce thème-là, MJ. non, 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 laisse-moi parler. Je mets juste visuellement ce qui se passait avant. Il te cible et il va lancer un sort au prochain tour. C'est juste ça. Et j'ai joué tout le monde, je pense. Tac, 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 Oh, tac. le MJ qui met direct en tentacule, quoi. C'est pour faire un effet de sort. Et c'est ok pour moi. En même temps, jeune elfe, toute dévêtue, tentacule, ça arrête les jits. Attends, ça me fait penser à quelque chose. Pas vous? Ok, ça va être tour. Alors, je me souviens plus trop de l'ordre qu'on prenait déjà. C'était Katal Kara ou Kara Katal Edouard, enfin le mec qui est à côté de moi là, et moi, ensuite c'était Yalil et Ninine. Et H, ouais. Kara en premier alors? Kara Katal, c'était Kara Katal en vrai.
Ouais, c'était ça. Broukara se met en soutien. Alors, elle passe son bras. Alors, attention, c'est technique. Hein. Elle passe son bras bouclier sous ton bras là. Du coup, tu as le bouclier qui te protège. Ouais, d'accord. Mais elle n'est pas court sur patte avec ses bras, vu que c'est une naine. Ça ne l'empêche pas de passer son bras sous le tien. Ouais. Ok. Elle te fait une ceinture de chasteté en fait. Et. Elle tient son arme un peu à l'arrache, mais elle te tient aussi par la taille. Demande pas pourquoi. Ça, donc t'as un bras là, bouclier, qui protège là, et un bras qui tient ta taille ici. Prête à bouger comme toi tu pourras bouger. Ok. Je t'en prie, que fais-tu avec ça? Je vais tenter de trancher la tentacule qui a spawn et qui a... Non. La tentacule... C'est juste l'effet visuel, c'est juste pour nous de voir. C'est dès que lui ciblait quelqu'un, ça faisait ça aussi. Je l'avais. D'accord. C'est intangible, c'est. Ok. Bah dans ce cas-là, je vais tenter de perforer l'enfoiré qui est juste devant moi. Okay. En plein cœur. Même s'il n'en a plus. Ok. Attention. J'ai perforé sa cage thoracique. Intérêt à faire beaucoup. Oh putain, bien. Ça m'étonnerait qu'il fasse mieux. Yes, bien joué. Voilà, et je perfore sa cage thoracique avec ma lance. Il a essayé de te parer avec son casque et avec la lame en même temps, mais tu trouves la faille. Ouais, c'est ça, et du coup je le transperce. Schlack. Voilà, c'est tout pour moi. Super. Quoi? Il a pris cher, Pépère, là. Ah oui, d'accord. Lui? Non, parce que à force de y mettre des PV qu'il a perdu, ça commence à faire un chiffre assez grand, quoi. Ouais. Bah, il a subi l'explosion de plein fouet, il me semble. Hein. Ouais. Il s'est pris du feu, il a cramé, il a pris des coups, il a... Il a vécu, hein. Il a vécu après sa mort. Ok. Bah, on va peut-être le laisser se reposer. Tu pètes des côtes et tu vois que son tronc ne tient vraiment plus à grand-chose. Ouais, bah de toute façon, j'ai toujours ma lance qui le transperce. Hein, je la laisse comme ça. D'accord. Et je reste comme ça en mode on verra ce qu'il tente de faire. De toute façon, c'est pas comme si qu'il pouvait l'enlever, c'est un squelette. Autant profiter des failles, hein. Qui est super. Au suivant. Edouard. Ed. Il va juste te dire vite fait, t'y vas, j'y vais. En fait, au passé, tu m'autorises tout en courant. Je fais, je les retiens, ferme la porte. Ouais, d'accord. En parlant des leviers, je pense qu'il a dû voir qu'on a appuyé sur les leviers pour ouvrir ou fermer la porte. Alors, réussi. Oh putain. Oh, ça va être la merde, je sens. J'ai quand même l'impression qu'Edouard, il a jamais rien touché depuis le début. Hein. Oh, si, là, c'est une fois. Si, une fois. Putain, la malédiction des leviers, quoi. Mm-hmm. Donc. Bah, déjà, s'il avance, je serai largement devant parce que moi, je cours. Il va pas avancer. Il a tiré. Il a tiré une flèche dans le levier pour pouvoir fermer la porte. Ouais. Ah, ouais. Sauf qu'il a fait un bon gros 98 là. Mm-hmm.
Vous savez ce qui se passe avec ce levier-là ? Oui, il l'a coincé. La flèche est dedans, c'est coincé, et ça va être la merde. D'accord. Et il ne bougera pas, donc. Ok, moi je peux bouger ? À toi. Moi je run. Je run, et en fait, l'arbalète est bien au sol, là. Ouais. Ok, en tout en courant, j'ai shooté dans l'arbalète pour l'envoyer. Boum, comme ça. D'accord. Et j'ai essayé de me mettre à peu près ici en... Finir ma course à peu près ici, si tu m'autorises. Vraiment pour bloquer tout le passage, quoi. C'est faisable, ouais. J'ai de force ? Ouais, quand même. 59, ça passe. Ok. Ça va le perturber. Alors, c'était pas dans le but de lui faire des dégâts, hein. Mais c'était peut-être pour le ralentir ou le repousser un petit peu, tu vois. Ça ferait bien. Voilà. Je me mets bien au milieu, j'ai les deux armes de déclinées en mode « you shall not pass ». Ok. Ninine, maintenant. C'est pas moi ? Non, c'est à Yalil. Mais c'est Yalil. Et oui, c'est Ninine qui permet. Ok. Et après, enfin, la toute dernière créature qui joue de notre équipe, c'est H. Je pensais que tu as joué toutes les deux à la suite, mais ouais, tu... Le petit jet d'humeur, non ? Ouais, petit jet d'humeur, en fait. Peureuse. Bavarde. Elle fuit le combat. Bavarde. C'est 4. Je sais pas comment. C'est bien, ça. C'est 4. Ça aurait été bien, peureuse, elle fuit le combat. Non. Elle cherche la sortie. Est-ce que j'ai vu ce qui s'est passé avec Edouard et sa flèche ? Bah, la flèche est... Bah, il est en train de lancer la flèche. Donc, ça se passe en même temps, tout ça. Donc là, la flèche est en chemin, quoi. Et en chemin, ouais. Ok. Je vais sortir mon épée. Je vais me rapprocher de celui-là. Tranquillement. Je me mets là, je m'avance jusqu'à là, mais si tu veux m'avancer un peu plus, MJ, il n'y a pas de souci. Un peu plus. Tu peux traverser l'autre, là, si tu veux. Voilà, ok. Oui, tu peux y mettre une fausse claque, là, il ne le sentira pas, mais ça te fera du bien au cœur. Non, c'est bon, je sais qu'il ne sent rien, donc voilà. Puis je jouerai au prochain. Derrière la nuque, là. Ok, super. Dylan. Ouais, un petit peu dans la merde là. Ouais, bon, écoute. Du point de vue, t'as du point de vue encore, ça va. Non, écoute, je propose que je prenne un caillou et que je me tranche la gorge. T'en penses quoi ? Ça ira plus vite. Bon, quoi faire ? Écoute, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armure, j'ai plus de mana, je suis littéralement à poil. C'est le coup de le dire dans tous les sens du terme. Donc, écoute, moi je pense que la solution ça va être courir. Hein. On te soutient. On te soutient. J'ai littéralement rien d'autre à faire puisque je peux pas m'approcher du mob puisqu'il a la foudre. Donc. Alors où vas-tu ? En vrai, je vais faire un truc. Je vais tenter de faire ce qu'il a fait tout à l'heure, en fait. Enfin, la dernière fois. C'est-à-dire que je vais arriver, je vais aller littéralement, je vais sauter sur le crâne. Et je vais tenter de me faire propulser. Ah putain, j'ai la vie qui va falloir que tu sortes. Ouais, faisable. Mais petit jet d'agi pour bien le prendre, ça peut faire mal. Allez. Tu vas faire un petit 1. Allez, on y croit tous. 47. Ça passe. Ok, ça va. Ouais, toi, t'as une agi de 70. J'ai 70 et je crois que je suis. En plus, je suis sous bonus avec. Là. Ouais, je te mets pas de dégâts, tu verras bien. Du coup, on s'envole là-bas. J'ai combien ? Attends, je vérifie parce que j'ai 70 en agi. Ouais, forcément. Ouais. Donc je dois être à 75 ou 80, je sais plus. Voilà.
Tu arrives très bien. En vrai, est-ce que je rentre pas dans lui par contre ? Non, c'est pas sur le chemin. Il était sur le chemin. C'est l'arbitre. Ok. Alors, si tu fais un jet d'agi plus petit que 47, je t'offre l'attaque d'opportunité en voyage. Allez. Okay. Allez, do it. Ah, presque, j'ai vu le 44. Et 46, 46 ? 46, ah, j'ai fait plus bas que 47, de 1. Du coup, tu le déstabilises. Super. Ça va être vraiment du n'importe nawak. Bon bah je crois que j'ai trouvé mon nouveau moyen de combat, hein, les gens. Ouais, le voyage en crâne. Hein. Oui. The fuck. c'est surtout que tu t'aperçois qu'en fait, sans armure, sans vêtements, qu'est-ce qu'on se déplace mieux. C'est tout. Bon, du coup, il fait... je disais, le petit bonhomme là. Suite au passage de notre Nilin, il fait un petit crack sur le côté. La lance qui est encore dedans fait un petit crack. Et il tombe au sol en deux morceaux. Oh merde! Putain, j'ai presque fait un kill! Je l'assiste! Je l'assiste sur le kill strict. Il est peut-être pas encore mort! Écoute, je l'assiste au moins. En deux morceaux. Ah ouais, je vois. Enlève-moi la tentacule. Ah. Alors, sinon, je fais ça. Voilà. Oui, c'est vrai que la tentacule. Si, la tentacule marche toujours. Merde. La tentacule. Merde, j'ai pas pris le bon truc. Ouais, la tentacule, elle t'attrape, elle tend. Je suis quand même, malheureusement. Tant que tu restes. Elle suit, point. Et il nous reste le petit H. Qui était parti en pleine vitesse. Ah, je m'avais dit qu'il faisait le tour de la salle, je crois, pour... Ouais, il était parti en pleine vitesse, là. C'est pas vrai. Donc, je pense pas qu'il ait fini, enfin, je sais pas. Bah là, il est rentré, alors je te laisse le bouger. Ouais, mais il fait le tour. Ouais, non, je pense qu'il va s'arrêter ici. Il a fait la moitié, quoi. Ok. Il crie, il fait du bruit, non ? Un spécial ? Ouais, il crie, vu qu'il est en face de lui, effectivement, il va crier bien. Très bien, très bien. Eh bien, c'est à moi. Oui. Alors, lui, là, il est triste. Téméraire ou pas? Putain, c'est un ouf. Il va pour te sauter dessus. J'ai le droit à une réaction vu que j'ai fait que courir. Il veut te griffer avec ses petites mains. Mais putain, j'allais dire, mais c'est un petit nul. Mais non, il vient pour te griffer avec ses petites mains, le torse là. Et la peau visible là. Il vient pour te griffer. Je peux faire une réaction? Bah oui. Ben, c'est simple, avec donc il vient de ma droite, donc j'ai ma hache dans la main droite. Je vais juste swap avec mon épée pour le repousser. En parade. Et non. Non, la parade ne passe pas. Donc effectivement, il a été plus rapide que je ne pensais, il m'a éraflé la peau. Ou fais-moi les jets de dégâts. Il n'est pas content que tu aies shooté dans son arbalète. Deux dégâts. Tu laisses les mettre. Ok. J'ai pas vu le jet des dégâts, c'est bizarre. Oui, c'est 2 de base. Ok. Si je fais 2D1, si tu veux. Non, mais tu... Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, 2D1, ouais. Alors. Ça m'énerve, ça m'agace. Lui, il t'ignore, il rentre. Ouais. Oui.
Non, parce que j'ai dit que je me mettais en plein milieu de la truc pour justement les empêcher de passer. Donc, concrètement. Ah, mais la zone, elle est grande, Draken. Ah, t'as vu la largeur de la porte. Bon, attendu, je peux pas bloquer les deux voies. Ah, bah non. Il y a. Ça fait quoi, 5 mètres de large, MJ? Bon, attendu, bah oui. Au moins. Encore. Au bas, oui, au moins. Ah, non. D'accord. Je vais le voir passer et je vais faire « Attention, Kara, il y en a un qui passe !» C'est tout ce que je peux dire. Elle entend. Alors, l'autre ramasse l'arbalète au sol. Il y en a un là aussi qui avance. L'autre ramasse l'arbalète au sol, il bougera pas. Lui, est-ce que c'est un ouf? Pas du tout. Hop. Il s'est fait attraper par le gros. Il n'y a pas de lâche dans notre armée. Retourne au combat. Il va me le jeter sur la gueule, je parie. Et monsieur trois têtes. Ah, monsieur trois têtes, ouais, il y a moyen qu'il fasse des dingueries. Et donc ça sort sur un sort sur le pauvre H. Mais non. Pas touché au pire. Ah bah il... Alors, on va à voir tout moment on enterre H là. La H de guerre. Ouais, t'inquiète. Elle va partir la H de guerre. Donc j'ai envie de dire, bah si H fait un meilleur jet que moi, il se prend pas le sort. Hein. Moi j'ai envie de dire, la dernière fois que la H elle est partie, il y avait plus de niche. Hein. D'ailleurs, je l'ai toujours... Non, la dernière fois que la hache est partie, t'as buté un squelette et ça l'a renvoyé dans un lac. Oui, non mais... Voilà. Et je suis repassé sur la carte, vous savez, du lac de Théodarien. Là. Ouais. J'ai vu, il y avait des poules, il y avait un œuf. Oh, je fais, oh, vas-y, j'ai fait des poussins. Oh. Et du coup, il est passé où, l'arbre? Ouais, il est là-bas, hein. Bon, j'ose espérer. Je pense que vous retournerez dans cette zone. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on va se faire wipe là. Non. Là, on va se faire TPK là. Genre, il y a le gros là qui arrive. On va se faire un peu TPK. T'inquiète pas, la dernière fois, il m'a one shot. Ouais, c'est ce que je dis. Yalil, du coup, tu nous fais un G pour H. Faut que tu fasses mieux 47. Sinon, il se prend. Vas-y, Yalil. Dégâts de sang. Oh la vache! Ouf. Oh là là! C'est un échec critique à l'esquive. Il fonce dedans. Non, il se prend le sort et en plus il perd toute sa vitesse. Il vient toucher le sol. Est-ce qu'il se jette dans le piège au sud encore une nouvelle fois? Il perd toute la vitesse qu'il avait. Il prend ses dégâts. Tu vas être. Oui, quand même. Allez. Et donc, oui, il perd toute sa vitesse, il vient toucher le sol, il rebondit au sol, mais il n'a plus de vitesse. Voilà. Il a pris bien cher. Donc, il est au sol, quoi. Il est en train de rebondir au sol. Dans quelle direction? Dans le sol qu'il est. Ok. Bon, c'est que j'ai beaucoup de monstres, moi. Oh, qu'est-ce qu'on va y lancer comme sort? Déjà, Nilin, il va falloir que tu me fasses un test de résistance mentale. Donc, intelligence, oui. Le voilà. Qu'est-ce qu'on va y faire? Nilim qui devient un squelette. Je vais arrêter de parler de ma poisse légendaire. J'en ai marre.
Ok. Je t'écrirai, Pyro. Et ouais, non. Ouais, ouais, je t'écrirai. Alors, mes autres monstres. Tout ça, c'est joué. Lui, il est joué. Il me manque lui, alors. Est-ce qu'il peut sauver sa vie, lui? C'est compliqué. Compliqué. Tiens, je refais un autre. Yes. Oh, c'est un 24. Ah! Oh. Sois gentil, fais un 24 qui nous sauve. Bah. D'ailleurs, ton PNJ, il a pas fait de jet de dés pour m'attaquer ici? Non. Et... Okay. Non, il en fait. C'est, j'ai toujours fait comme ça. Il précaste, il canalise pendant un tour et après il lance. Et il faut faire un jet de mental pour résister. Ok. Donc, en clair, il sait plus quoi faire là, notre homme violet. Il se voit pris dans tous les sens. Et il va vous faire un monologue qui va un peu vous scotcher et vous mettre. Vous allez être hyper attentif à ce qu'il va dire. Parce que vous ne vous attendez pas à ce qu'il parle, ce qu'il dit, ce qu'il va dire. Il va se nommer. Il va vous dire à l'époque, je me nommais Atal Kalor. J'étais un. Zut, raté. Ici, c'est... Je m'appelle Atal Kalor. J'étais un grand chevalier. J'étais promu garde de la cité de. Arrête d'essayer d'inventer des trucs. Hein. Ça, c'est un 24. Hein. Ça sonne clairement vrai, hein, si vous dites. Non, mais bien sûr, mais moi je te parle de toi. Genre, arrête de te. Je me fais du mal. Non, mais je veux vraiment vous donner la puissance de ce qu'il veut dire. Quoi. Tout ce qu'il va dire va sonner véridique. Il vous raconte son passé. Et que un jour il est mort ici, et il est resté ici, et depuis il est là à vie. Plutôt à mort. Ouais. Et à mort. Et il regarde autour de lui et il sait qu'il est perdu. Voilà son tour. Est-ce que j'ai entendu ou pas du tout? Non, désolé, trop loin. Ok. Non, mais de toute façon, je pose la question parce que vu l'état de mental dans lequel je dois être. Oui, c'est vrai, je l'écris. Non, si, ça peut. Non. Et monsieur électrique. Monsieur électrique, s'il fait un truc de ouf, là. Bah ouais. Ok. Oh, c'est nul, ça. Je vais rechercher un autre. Bibliothèque d'effets électriques. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Il est en train de se préparer un caméa, là. Il y a un nuage électrique devant lui, entre ses mains. On doit savoir si vous le voyez. Il y a l'île Louis, mais vous... Kara et Katal, si tu veux vraiment le voir, il faudra faire un jet pour ça. Puis que vous êtes concentré à ce que notre ami dit. Ouais, je vais voir si je le remarque. Non, je le remarque pas du tout. Ok. Bah tu pendant ce temps-là, on va faire la même erreur. Oui. Oh, 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 24. On retient. On retient pour notre tour. Et il faut que j'écrive à Pyro. Désolé, il va y avoir un blanc. Alors...
réponse. Ok, Pierrot, mange-toi ça. Ça va, je suis gentil. Hein. Maintenant que j'y pense, je suis gentil. Hein. J'aurais pu faire. L'effet est violent, mais ça va. Je vais avoir besoin d'informations. Mais ok. Alors, tiens. Kara va vite fait demander à Katal, on fait quoi? Occupe-toi des autres, je m'occupe de lui. Et en montrant le gars devant moi. Ou sinon, en parlant des autres, du coup, elle tourne la tête. Et est-ce que. Elle fait pas deux, hein? Putain, elle a fait deux. Merde. Quoi? Et te pousse dans la bulle magique. Ça durait 3 tours, c'est ça? Ta bulle magique. Hein. Non, 2 tours. Donc là, elle a fini. Ah merde, elle a fini. Ouais. Je te suis que c'était 3 tours. Dommage. Alors, je reviens là. Plus de bulle magique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais moi je ne bougerai pas, même si je me prends le truc de caméra. Hein. Et il y a Pépère qui m'appelle derrière. Ah, je vais vous laisser. Je vais rouler à derrière et puis intercepter le petit qui arrive. Ok. Markan. Non, c'est Edouard. Non, Catal. Ah oui, Catal. Bah oui, je t'ai pas fait ton tour, bien sûr. Catal, tu es là. Donc, oui, mon petit père violet, il est coupé en deux, les jambes tombent à plat, mais ouais. le buste se tient quand même, on va dire, debout, avec une sur main. Sur balance, non? Non, il est... Ah, je croyais. Ça aurait été stylé, genre la Sephiroth. Ouais, non, ça... Ah, parce que... non, ça tournerait, ça foutrait le bordel. non, tu suis la lance toujours en lui, je vais bien. Son buste donc touche tape le sol, il lâche le casque vole. Avec la main qui tenait le casque, il tient le sol pour se tenir à peu près debout. Et il est là et te regarde. Il te dit, j'ai jamais voulu être là, moi. Oui, bah t'inquiète. Ouais, je regarde, j'ai toujours la lance en lui, je vais lui faire. Atal Kalor, je suis Catal, paladin du dieu des tempêtes. Et aujourd'hui, je te libère de ta malédiction purifiant ton esprit. Par le feu. Merci. Le souffle ardent. Il te remercie. Ouais, bah oui, j'imagine. C'est pour ça. C'est genre là, clairement, il restera plus rien. Enfin, il restera pas de quoi le réanimer. Hein. Oh la vache. Le fameux souffle ardent. C'est ça. Attention à Yalil quand même. Parce qu'il me semble qu'elle ne fume pas, donc avoir l'image... autant de feu pour une psychiatre et tout. Quoi. L'image est stylée quand même. Hein. Il est mort en héros. Tu l'as aidé à mourir dignement. C'est bravo. Ça. T'as gagné un point RP. oui, c'est Nilin. Je sais pas. Non, t'as pas compris. Ok. Voilà,
c'est ça plutôt, tu vois. C'est Pierrot. Ouais. Pierrot. Moi. Oh là, mais... j'ai fait une faute, mais je réfléchis juste que ouais. Ça va être. Ah ouais. Ouais. Bon, Edouard. Oh, mon argent. Si tu fais ça, mais ce serait de la merde. Si tu fais ça, ce serait. Alors ça. Alors, quel point t'es bête, Edouard ? Où tu... J'ai quand même l'impression que chaque fois que tu lances les dés pour Edouard, ça va contre lui. Hein. Bah, on a un peu atteint son cerveau, hein, donc il fait des trucs un peu chelous. Ah oh, bah il vient là et puis bah il active le levier. Qui ne marche pas. Il marche plus le levier. Il est coincé. Voilà mon cher Morfian. Donc là c'est à moi. Oui ouais. Tu le vois en train de se glisser sur le levier, ça marche pas. Moi, ça commence à m'agacer. Je vois tous les ennemis qui se rapprochent. Je vois H qui est tombé au sol. Là, je commence vraiment à être fou furieux, on va dire. Et je vais, dans un grand rugissement, je vais commencer à rentrer dans la bataille à fond. Et. Je vais, si tu m'autorises, choper le Gugus qui est là et tenter de l'envoyer sur le Gugus qui est ici. Okay. Ça peut réussir. 59. Ok. Ok, ok. Et... Ok. Ça se passe. Exactement comme tu l'as décrit. Le bonhomme est bien envoyé. Il n'arrive pas à l'éviter. L'autre n'arrive pas à l'éviter l'envoi de l'autre. C'est bien, ils font leurs petits dégâts. Et si tu m'autorises vraiment comme action, une fois que j'ai fait ça, c'est que j'ai essayé de me mettre face à la grosse créature qui arrive. Et je me prépare à la recevoir. Ouais. Ça me va. Un combat glorieux s'annonce. Bien, tout va bien. On en est à... Néline ? Ouais. Non, dis Yali avant. J'aimerais lancer Arc-en-Ciel sur lui, du coup, maintenant qu'on a vu les nouveaux disponibles pour le fermer avec son sort. Est-ce que tu peux faire ça ? Je pense. Arc-en-ciel, lance une bulle de lumière multicolore autour de soi. On va lancer que autour de soi. C'est ça. Ah, autour, ok. Je vais contourner Katal et je vais continuer de m'avancer avec mon épée. En courant, en marchant. En marchant. Je serai capable de tomber autrement. Tu croises un casque par terre. Tu te laisses là. Ouais, je le laisse là. Ok. Néline. Ah oui. Est-ce que je suis capable d'utiliser ma magie ou pas, quand même, contre des PV ? Pouf.
j'avais envie de dire non quand même. C'est pas trop ta nature. J'ai envie de dire non, hein. Ça m'embête, mais... Okay, non, moi, je m'en fous. C'est pas grave, t'inquiète. Dis-moi, je suppose que Edouard il est à l'arbalète. Attends. Tu peux utiliser ta... Si tu veux vraiment... Si tu pousses vraiment, tu peux utiliser de la magie que tu n'as pas. Si tu veux. Tu sais mais ça, j'en ai pas conscience. Bah, tu me dis si t'as... Tu me dis là que tu étais prêt à utiliser ta magie qui t'a apprendre au-delà de tes capacités, qui t'apprend tes points de vie. Oui. Oui, tu peux. Okay. Parce que moi, je voulais invoquer l'épée de Kai. Ah non, c'est aller chercher dans ton inventaire un truc. Bah oui. D'accord. Ok. Oui, ça prend 2 PV. Ouais, ok. Ouais, tu peux. Ok, bah je vais invoquer l'épée et je vais tenter de décapiter la personne qui est devant moi. Attends, parce qu'il va se passer des choses déjà. Tu sors l'épée, donc tu utilises de la magie que tu n'as pas. Voilà, donc je me suis retiré les 2 points de vie. C'est pas des points de vie que tu vas perdre. Enfin, ah, je me remets les points de vie? Non, c'est de l'équipement que tu vas cracher par terre en plus de l'épée. J'ai déjà bien mal, c'est déjà mieux que de la vie. Attends, j'ai pas compris. C'est pas... Ton inventaire du vide va se vider. Enfin, pas entièrement, mais il y a des trucs de ton inventaire du vide qui va cracher, qui va être craché aussi. Ok. Casserole d'eau bouillante. Elle est crachée par terre. Ok. La chaîne de 15 mètres est par terre aussi. Ok. Les argives. T'as un lézard juif dans ton inventaire. Oui, il est mort. Oui, il y en a dans mon inventaire, hein. Tu peux y aller. Hein. Oui, la cage à main d'Yalil, et voilà, ce sera bon. Eh, tout ça tombe par terre? Ouais, à tes pieds. Écoute, good enough. L'eau bouillante en plus. L'eau bouillante, non, ça va, elle est pas renversée. Elle tombe pile poil debout. Ok. Bon, bah écoute, je peux finir mon action et décapiter la personne qui est devant moi? On va essayer. C'est quoi cette épée déjà? Ah oui, ok. Ouais, c'est l'épée de Kyle. C'est l'artefact que j'ai chopé un jour. Dans la neige là-bas. Ouais. Ouais, non. Okay. 34, ça passe pas. Non, 34. Oui, ça ne passe pas. Ah. C'est de la force, hein. Hormis si on me dit que c'est... À moins que tu m'autorises le bonus de concentration, et dans ce cas-là, je crois que ça passe. Faut que je check. De toute façon, j'ai jamais aimé Edouard, moi je dis. Il est là. Vite, faut fermer la porte et il se fait râler dans le dos, là. Par la personne dont il est amoureux, il fait le plus confiance de sa vie. Hein. Bah, et de sa non-vie, hein, maintenant. Ouais. Alors, ça raconte quoi cette concentration? En théorie, c'est marqué toutes les tranches à 25 de concentration augmente de 5% ses chances de toucher et d'utiliser sa magie. Donc, en théorie, ça passe. Si, puisque je suis à 25 en force, ça fait logiquement que je monte à 35 si tu considères que le bonus proc aussi sur la force. Si proc pas. Faisons parler d'été. C'est un oui, c'est un oui. Ça touche. Bon, bah écoute. Ça fait quoi comme dégâts ça? Bon, je sais pas, c'est une épée à... C'est quoi, c'est une épée à deux mains, je crois, en plus. C'est une épée à deux mains ou une main, je sais plus. Ok, c'est mis. Il prend cher dans le dos. Pim. Oui, il se prend le truc et puis... Oui, je sais, mais j'y arrive pas. Il a pris ça comme vas-y plus vite, plus fort, mais... Il te dit juste, je sais, mais j'y arrive pas. Il reste H.
Ah, je Elle essaye de se redresser et de reprendre son envol pour nous rejoindre. Ok. Alors, c'est pas trop juste. Ça. Tu veux lui donner quoi comme trajectoire? Prends ta petite règle là, je me dis. Tout droit comme ça? Ouais, tout droit comme ça. Je te le mets là. Oh, merci. Il commence à reprendre de la vitesse. Bon. Bon, Edouard, il va falloir qu'il pousse plus fort. Même avec de l'aide, il n'a pas réussi. Pouf, pouf. Quoi? Ah, c'est un 3. D'accord. Oui. Ah, j'ai fait 2 et 3, là? Oui. C'est les deux petits pépères qui sont là. Elle me dit pas qu'ils vont faire un triple salto avant pour revenir sur leurs jambes et sauter sur Edouard. Vas-y. Bah si, j'ai dit, c'est ce qui se passe. Ah bah, Edouard se fait balancer. Allez. Un coup d'épée dans le bide, des petites griffures sur le visage. Et en plus, lui, il est accroché. Accroché à son visage. Tiens. Accroché. Alors, il va vite mourir, Edouard. Bah, il commence à prendre ses dégâts, là. Ça fait ça plus ça, ça fait ça. Hein. Bien. Alors, jamais... Ah, dommage. Il n'arrive pas à relancer un sort sur H. Il y a lui. Ah, il y a un échec critique dans le lot. Il y a un 24. Alors, j'en ai fait un de trop. C'est pour le suivi d'après. Non, je sais plus. Non, bah, ça va faire ça, ça et ça. D'accord. Alors. Le petit hockey là, il se fait écraser par le gros. Alors, déjà, dégâts dans sa gueule. Ah. Il est sous le pied. Et le gros va balancer le squelette sur Catal, que c'est même pas estivable. Morkan, pardon. Que c'est et je m'étais mis en position pour l'attendre, pour me préparer pour l'attendre. Donc, c'est un 24, si tu fais un 24, vas-y. Hein. Ou okay. un 24 ou un 1. Ok. Allez, t'as 2% de chance. Limite, le 1, c'est... Enfin, le 24, c'est mieux que le 1, quand même. 60. Donc, tu m'autorises, je me le prends, ok, mais avec mon 60, j'arrive à pas partir à pétage.com. Ici. Force... En humain, t'as une force de combien? 70. T'as un 70 quand même, ok. Bon. Du coup, tu le repousses quand même. Il est plus collé à toi. Elle était où l'arbalète? C'est lui qui l'a... Ah non, c'est l'autre qui est sous son pied qui l'avait. Ouais. Oui. Franchement, je le prends dans ma main, le mec. Bon, vas-y. Ah ouais, il a fait. Ouais, c'est celui qui avait fait un échec critique. Non, vas-y, il est dans la main. Voilà, avec la petite arbalète là. Voilà. Maintenant, c'était un dessin. Oh putain. Encore une ligne. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, Marcat. 4, alors. Oh, vos deux noms, j'y arriverai jamais. Est-ce que j'ai conscience qui m'attaque? Oui, vous voyez l'effet visible est là. Ouais. Il en a lancé plein, vous savez qu'il attend un peu et que le sort est lancé. Et Monsieur Électrique,
Donc, c'est parti. Hein. Ok, ça part. J'en avais pas conscience, du coup. De quoi, de ça? Ça, ouais. Non. Celui-là, non. Non, je sais, je le dis. Ouf. Nuage électrique. Donc, il envoie une grosse boule, un gros nuage électrique. Et... ça va faire du... comment on va partir? Je vais faire ça. Et si c'est le même chiffre, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est, oh pas, bah bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes, vous êtes synchronisé dans les dégâts et du coup ça se cumule. Donc, deux chacun. Vous prenez deux chacun. Ah, d'accord. Je m'enlève. Ça aurait été 4 et 4, c'était 8 chacun. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien, ça reste quand même un. Oui, oui, vous êtes sur la même fréquence électrique là, c'est pas bon. Et le nuage reste. Il est toujours là, c'est comme. C'est dans un brouillard électrique. Ce feu, je l'enlève. Ouais, tu peux l'enlever. Bien sûr, il se décaste. Et j'ai fini, je crois bien. Parce que l'autre, il n'est plus là. Ouais. Par contre, le fait que quand le feu s'enlève, il n'y a juste plus le squelette, l'armure et tout, genre, c'est génial. Ouais. Moi, limite, j'ai envie de voir si tu pouvais mettre une petite couche de sol vitrifié, en fait. Tellement qu'il a été puissant, son truc, il a vitrifié le sol. C'est les flammes purificatrices de Catal l'Inquisiteur. Hein, c'est... ah, en plus, c'est pas l'Adin, c'est pas un Inquisiteur. Mais... oh, maintenant, bah il est Inquisiteur. Oh la vache. Oh la vache, c'est presque une insulte pour le personnage. Oh, ça, c'est mieux. Ouais. Il était là. Oui, c'est vrai. C'est merci. Là, entre les deux traits. Merci. Ok. Ok. C'est ok pour moi. Kara. Kara part en charge. 61, ça doit passer. Ouais, justesse. Elle va pas faire grand dégât. Elle va la repousser un peu. Elle n'aura pas le temps d'appuyer sur le levier. Tac, tac, tac. Mais le taf est fait. Elle va charger, la bousculer. Un petit jet de consti de squelette nul, là. Quand même. Il tient debout ? Non. Il tient debout, hein. Vachement. Eh bah super ! Ça va bien vous aider, ça. Paf. Il vient s'empêtrer dans les pieds de l'autre. Il se fait absorber par... par le gros ? Ouais. Mort. Que je me confonde. Non, c'est Catal. Dis donc. Cher Catal est en nuage électrique. C'est simple. Catal reprend sa lance tranquillement du tas de cendres et il se tourne en direction du squelette électrique. Ouais. Il sort du nuage d'un pas décidé, mais tu sais pas, pas en courant, mais vraiment genre. Et il s'écrie. Et il s'écrie. La foudre est l'allié de mon maître et tu n'es pas de son royaume. Et il se met en position de combat, tu vois, genre, on le lance en avant et il montre qu'il va le défoncer. C'est tout pour moi. Pauvre squelette à poil. Il a que la peau sur les os. Catal qui redevient un paladin. Après 44 sessions, à être une sous-merde. T'inquiète, y'en a qui servent toujours à rien. Il était trop beau de base, putain. Là. Bon, bien, bien, bien. Est-ce
que le petit nuage électrique ne peut pas te faire de dégâts quand même à ton tour, je sais pas. Ouais, si. Si, 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 quand même. Ouf. T'as un petit arc électrique au cul, là, quand tu dis ta phrase. Ah, mais je vais m'en servir, gars. Je vais m'en servir. T'inquiète, mais ouais, je vais bouffer. Bien. T'es bien en PV, ça va. Ok, super. Bon. C'est notre ami qui est dans le mal. Je crois qu'il va lâcher le levier déjà. Hein. Ça, c'est une certitude. Et je crois qu'il va faire un tir de recul. Hein. Ça marche jamais, les tirs de recul. Ouais, c'est pour ça. C'est la seule compétence qu'il faut jamais donner à un archer. Je le savais. Alors. Alors. Faisons ça. Hein. Et... Bon, ça, c'est la flèche. Là, voilà. En plus, il va lamentablement échouer. Bah, bien sûr. Il renverse l'eau bouillante, là. Il se brûle avec. Ouais. C'est la merde. Il recule. Attends, j'ai toujours mon épée dans son dos, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Attends, il... Tu l'as planté dans le dos et... parce que le squelette de devant il a une épée. Logiquement, c'était pas lui qui lui avait planté l'épée dans le dos. Mais je lui ai planté aussi dans le dos. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, à la base, moi j'étais pas parti pour le décapiter, mais Dragoon a dit que je l'avais planté dans le dos donc. Ouais, tu vas pas me l'OS alors qu'il est full PV quoi. Tu vas pas l'OS alors qu'il était full PV quoi. T'inquiète, il me reste encore quelques tours pour ça. Putain, motivé à le buter quoi. Donc bon, alors. D'accord. Bon, ta lame n'est plus dans lui, mais il se blesse en la ressortant. En plus. Bon, il va encore prendre cher. Ça plus ça plus ça, ça fait ça. Paf. Donc. Ça devrait être bon après, c'est un cata normalement. Pas là, Catal. Réponds plus. Si, je suis là, Catal. Ah, Morkan. Ah, oui, mais tant que moi, je n'entends pas Morkan. Ah, c'est pas vrai. Ah, Morkan. Tu fais une boue. Mm-hmm. Petite question. Catal et Galil se sont pris le nuage électrique. Est-ce que Galil a crié de douleur ou a eu très mal? Enfin, est-ce que j'ai entendu qu'elle avait eu mal? Non, je n'ai rien dit. De quoi? Non. Non? Mmh. Ok. Ça pue un peu la merde. Morkan, il commence à avoir rouge. Et... Bah, je vais me ruer sur le gros machin, toutes armes dehors, et je vais le frapper de toutes mes forces. T'es loin encore ? Je cours en charge. Bah, tu les taperas pas sur là. Non, mais j'annonce mon action. Après, si ça prend deux tours à le faire, ça prend deux tours. J'annonce ce que je fais. Je fonce droite ligne. Bien. En rugissant. Bien, bien, bien. Je fais un jet de dé pour savoir si je me viande pas ou... Non, non. Ok.
Nilin. Écoute, vu avant de faire des dingueries, t'as ton jet de résistance mentale à faire. Moi, je le fais à la fin du tour. Hein. Non. Vous avez pas oublié encore Yali. Oh, mais c'est vrai. Oh, c'est... Ça va. Pour moi, Yali, il était à la fin à jouer les deux. Non. C'était Yali, Lévin, H. Bien. Alors, Yali. Je vais traverser le moche, parce que ça ne peut pas prendre plus de dégâts, c'est bien ça. Ouais. Bah, donc, je traverse le nuage, l'épée à la main et je rejoins Katal. Tu vas là-bas, ok. Voilà. Ce sera... quand même, et tu es à côté de Katal. Ok. L'épée à la main. Voilà, c'est ça. Rien à dire. Non, rien à dire. J'ai l'air décidé et déterminé, c'est tout. Petit clin d'œil. Hop. Je suis là, copain. Tu veux que je m'enlève de zombie, c'est ouais, ça? Ouais, je te laisse faire, ouais. Ok. D'accord. Ah non, t'avais pris 4, toi. Ouais. Heureusement. Donc, Nilin, non, c'est tout de suite ton jet de résistance mentale. Arrête de tuer mes PNJ, bordel. Pourvu que je le rate. Putain. Et il le réussit. Je sais pas. Oh, si c'est un jeu d'intelligence, oui, c'est réussi. Ouais, ok. Bon, bah... Tout d'un seul coup, tout redevient la normale. Et tu te sens bête. En vrai, j'ai envie de faire un jeu de social, savoir si je continue à l'attaquer ou pas. Hein. Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce qu'il y a vraiment moyen qu'on survive? Tu vois, la question est ailleurs. Moyen. Kara est à côté d'un levier. Hein. Et puis, niveau point de vie, Kara est un peu mal, mais les autres, ça va. Hein. Ouais. Écoute, je vais reculer. Je vais faire juste gaffe aux crânes qui sont sur les murs et je vais faire en sorte de les esquiver. Ok. Donc, une petite roulade au sol. Merde. Ouais. C'est ce que j'ai pris. Non ? Bon, je sais pas si c'est nécessaire ou pas, mais si tu me dis que c'est nécessaire, oui, je le ferai. Bah, ou sinon, c'est tu attends devant, tu passes ta main, le crâne passe, et puis après tu avances. Juste en se baissant, ça passe pas? Enfin, je sais pas à quelle hauteur il passe, en fait, c'est surtout ça. Là. Non, ça, à niveau de... Torse. Si tu te baisses juste, ouais, tu vas un peu te taper dans le dos quand même. Quoi. Ok. Et tu fais ça en... Bon, écoute, direction le levier, c'est tout ce que je ferai ce tour-ci, voilà. Je laisse me dire jusqu'où je vais. Tu fais comment? En roulade ou... Ouais, je pense que je vais faire une double roulade. Si j'ai quand même. Hein. Allez. Ouais, la petite dextérité. Non. Si tu autorises le truc de concentration, ça passe. Sinon, non. C'est écrit pour toucher. C'est pour ça. Oh, tu vas te prendre un petit dégât. Et tu seras à côté du levier. Sans avoir le temps de l'activer. Qu'est-ce qu'on avait dit, les crânes? C'était un D6, non? Ouf. Je viens de prendre un midlife. T'as pas d'armure? Dans tous les cas, j'en ai pas. Bien.
peu bien, ma mère. Et H. Alors H, où est-ce qu'il va? H va revenir me voir, tout droit. Lui. Il sera tout droit. Bon, bah. Ouais. Il va être là. Et c'est donc à moi. Oui, non, lui est accroché d'ailleurs. Il est accroché à... Bon, déjà c'est de là. Tic-tac. Et puis utiliser des skills pour l'oiseau, faut faire mieux de 35. Et ben non, il se refait toucher. Okay. Tac, tac, tac. Bon, là il tombe pas comme tout à l'heure, il perd juste un peu de vitesse. Non. Maintenant. Bon, il y en a plus grand, plus beaucoup qui vont en jouer, non? Non, ça va partir comme ça, hein. il va te balancer l'arbalétrier dans la tronche, mon Morcane. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bah, le regard est passé. Ah, il a arrêté son jet? Ouais. D'accord. Le stylet s'écrase. Dans les deux autres? Non, toi là, au sol, bien à plat au sol. Là. Ah, j'étais pas loin. Ah, tiens, si ça se passe, si. Oh non. Ils sont là. Elle va où leur balette? Ah, voilà. Lui, il ne fait plus rien. Ça. Alors. J'ai pas fait le petit accroché. Le griffeur de visage. Ah, il griffe plus les visages. A pu accrocher. Tac, alors. Ah non, il m'en reste deux là à jouer. Dont le. Pourquoi est-ce que je vois 39 alors qu'il y a marqué 90? Ah ouais, t'as les deux dés qui sont pas bons. Catal, il faut que tu me fasses un jet de résistance mentale. Ouh, compliqué ça. Ouh, ça marche pas. Ouh, ça marche pas du tout. Ok. Ce sera ça. Tac, ce sera ça. Il n'y a pas de souci. Et Monsieur Electric. Ah oui, non, déjà j'ai ça à faire, le petit D12 là. Prions pour que ce soit pas 6. Ça va. Nuage qui bouge. Ah, il bouge. Ok, d'accord. En cloque. Mmh.
Après Cast la même chose, je pense. Il nous refait la même chose. Il prépare sa petite bouboule pour le prochain tour. Et c'est ok pour moi. Car. Yes. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il est devenu plus fort depuis qu'il a plus d'armure. Bah. C'est comme Boros, tu lui as enlevé, tu lui as enlevé ce qui limitait sa puissance. C'est donc ça. Kara, switch le levier d'ici. Clic. J'ai fait 11 ans. La porte va commencer à se fermer et je vais tendre la main à... Je vais lâcher mon bouclier, je vais le faire... Je vais balancer mon bouclier là et je vais tendre la main vers toi, Morkan. Je dire, la porte se ferme vite pour que tu attrapes ma main et qu'on se barre. Je te donnerai ma réponse quand ce sera à moi de jouer. Ouais. Donc je mets la porte ici, comme ça on y pensera. Ça c'est plus là. Et c'est à Catal de sauter sur le monstre. C'est ça, Catal se prépare à donner un coup avec son... avec sa lance, mais il remarque qu'il peut pas. Il a pas la portée. Tu as encore une demi-action. Il regarde ses pieds. Oh. Puis il fait... Tu veux jouer comme ça? En vrai, il aurait bien un réflexe. Vu qu'il peut pas l'approcher, il a bien un truc qui peut le toucher. Je suis pas sûr que le feu contre l'électricité, ça fasse grand chose. T'as pas un cooldown sur ton truc, non? D'ailleurs, t'as pas affiré ta mana de tout à l'heure. Mais ça ne coûte pas de mana. Quand c'est un seul tour. Ah. Ah ouais. Ouais, c'est de la mana à partir du moment du moment où je dois le prolonger, mais non, on va dire qu'il peut pas cracher de feu parce que là il est en cooldown, mais il va dire tu veux jouer comme ça et il va se mettre en position et il va attendre que le gars essaye de lancer son spell. Après je t'ai pas mis de cooldown, donc non, mais on verra une autre fois, hein. Au prochain tour. De toute façon, j'ai raté mon. J'ai perdu un morceau d'action avec le debuff. Non, mais c'était histoire de dire. Non, si tu veux cracher, fais-le un petit peu. Ok. Bon, bah, du coup, je dis, bah, tu veux aller jouer comme ça, et des flaps se forment au creux de mes lèvres. Ok. Et je vais le cramer, et on va jouer. À qui tient le plus longtemps. La mana va partir là. Ouais, là la mana va partir. Ok, super. Alors c'est quoi ces dégâts de 3 dégâts plus un partout supplémentaire, ok. C'est pas beaucoup mais. Oh non, super. Son effet électrique ne part pas, son sort ne se décaste pas. C'est un... Putain, ça a l'autre perdu, là. Bon, il a un éclair d'intelligence, quand même. Es-tu intelligent, il est intelligent. J'ai un bébé,
Il va charger les squelettes. Quitte à se faire mal, pendant que la porte se ferme, pour les écraser sous la porte. Donc ça prend ça, ça, ça. Ok. T'as combien de PV max, Nelly, d'ailleurs? 22. Ok. Donc, là, c'est à Morkan. Donc. La porte est en train de se refermer par le haut. Elle est en train de tomber. Tara te tend la main. Et tu es en train de courir. Oui. Je vais faire un petit jet. En espérant que ça passe. Ok. Ok. J'arrive à récupérer, entre guillemets, un peu ma vision, parce qu'elle a commencé à s'obscurcir de rouge d'énervement. Et en fait, donc ça, c'est le 2. Le 3, c'est du coup, je range machinalement une arme, je chope le piaf au bec, je chope H, en fait. C'est pas des dés que t'as lancé, Draken. Hein. Non, je sais. Okay. Non, je chope le 3, c'est pour. En fait, il est vachement en l'air, il est en train de voler assez haut là. Mais il vole très, très lentement, enfin, il vole, mais il va atteindre la porte à temps ou pas? Ça devrait le faire. Oui, ça peut se faire. Dans tous les cas, tu peux pas la frapper, il est trop. Et. Je peux y arriver. Donc, bah, j'ai chopé. Il peut y arriver à sortir. Il peut y arriver. Ok. Bah, dans ces cas-là, je reprends mes esprits et je fais une. Je chope la main de Kara et je fais une roulade, en fait. Enfin, j'essaie de partir dans l'autre sens. De partir par là. Très bien. Hop, super. À quel point tu fais bien ta roulade, tiens, si tu veux. Ok. C'est sur un tout ça pour tour, en fait. 40. Sur une dex, ça passe. Une dex d'humain de 50. Une dex d'humain de 50, ok. Hop. Je vérifie par sécurité, mais il me semble que c'est 50. Hein. Non, sur de 45. Ah bon, c'est reculé. Mais avec le, on va dire que Kara m'a donné un petit avantage pour le. T'as déjà bien bougé. Super. Alors, maintenant c'est à Yalil. Yalil va s'approcher avec son épée à la main. Ouais. En évitant le feu de Katal. Oui. Elle va essayer de le perforer. Tout simplement. Ça peut se faire. Tente. J'arrive pas à te bouger. Viens là. Ouais, ça peut plus bouger. Voilà, tu viens là. Et donc. Non, tu peux te coller, hein, tu vas pas prendre le feu là. Là, okay. T'es hors portée de ton épée, il faut vraiment que tu. Et c'est un 23 du coup. 23 de. Putain. Tellement de tokens dans le coin là. Le feu. Voilà. Là on est bien. 23. Donc si sur la force ça passe puisque j'ai 25. Truc de ouf. Bien joué. Donc. Non, c'est pas toi, je voulais. Tu fais donc protéger son aura électrique qui va te faire les fameux dégâts, les 4. Et tu as pas un. Ouais, tu peux lancer un des 4 aussi. Ok. Ah, quand même, hein. Okay. Ah. C'est quoi ton épée? C'est quelle épée ça? C'est une épée tout simple.
Une épée de... Une épée toute simple, j'ai pas plus de détails. Elle vient d'où, tu sais plus. Je sais plus du tout. Soit. Bien. Concentration. Putain, il garde sa concentration. Pâque un peu. 24, putain, mais t'en as pas marre de faire des 24, t'en avais pas fait depuis 20 sessions. C'est trop bien les 24, on peut faire des dingueries. Mais du coup, j'ai pris 4 de dégâts, c'est ça ? Attends, mais il me manque une porte, là. J'ai une porte qui a disparu. Ah oui, j'ai pris la porte de là pour là-bas, d'accord. Oui, oui. D'ici, voyons. Tu me disais, Yaline ? J'ai pris 4 de dégâts, c'est ça ? Ouais, c'est son aura électrique okay. Au moment que tu l'as touché. Ok. Je me les enlève, il n'y a pas de soucis. Super. Et Niline. Ah, Niline. Qu'est-ce que tu fais, notre Niline, là-haut ? Moi, j'active le levier. Ok. Fin de mon tour. Tu te tournes pas ou... Enfin déjà. Déjà ton activation de levier va... Va créer les fameux bruits dans le plafond et va commencer à ouvrir cette porte là. Écoute, je vais m'y diriger. C'est la guerre de l'autre côté, mais rien à foutre. J'ai pas d'arme. Bah si, t'as une putain d'épée là qui a failli décapiter Edouard, mais. Ouais, mais j'ai 35% de chance de toucher avec, genre. Mais ça, t'en sais rien. Ça, c'est du hors RP. Yep. T'as pas baissé ta concentration d'ailleurs tout à l'heure. Bah, j'ai pas la baissée en fait. Bah, quand elle baisse ? Quand j'utilise des spells. Ah ! Même quand tu utilises pour toucher ? Non, quand je tire à l'arc, non. Ça charge justement ma concentration. D'accord, ok. En fait, c'est quand j'utilise des compétences à l'arc que ma concentration elle baisse. Sauf que, bah, d'accord. Comme okay. Je peux pas utiliser de compétences, je peux okay. Pas l'utiliser. Bah, après, tu peux aller rechercher ton arc, hein. C'est où il est, hein. J'ai besoin actuellement encore de mes points de vie. Mais c'est pas les points de vie qui partent. Il y avait quoi d'autre par terre aussi ? Il y avait... Qu'est-ce que j'avais dit ? Allez, mais la cage à... La cage à main. Ah, c'est ça. Et par terre là-bas. Ouais, je sais où il est mon arc, mais Ah si, j'ai quand même perdu mes PV tout à l'heure. Non, je t'ai dit non. Hein. Non, te remets-toi les deux PV si tu les enlevais. Il me semble que je les ai surtirés. Non, je t'ai dit non. Ça bouffe pas tes PV, c'est juste que t'as ton inventaire qui crache. Déjà que tu as des problèmes de mana et tout ça là avec ton inventaire, c'est de pire en pire. Elle va se mettre à perdre des objets en marchant là. Ok. Et il nous reste H. Elle va tenter de revenir vers moi. H. Tu baisses en altitude pour pouvoir passer. Sous la porte avant qu'elle se ferme. C'est ça. Et donc...
Autour des trous du cul. Ouais, 90 là. Non. 89 de rage. Ah si, c'est la chaîne de 15 mètres aussi qui est tombée, MJ. Ah oui, la chaîne, oui. Alors, hein, je fais ça, on comprendra. Alors, les deux là refont des dégâts à Edouard, qui lui tient le coup. Il tient la ligne. Ils ne passeront pas. C'était quoi là? C'était un 65-89. Ok. Celui du milieu a essayé de choper. Donc celui-là a essayé de choper H, mais il n'a pas réussi. Il saute sur place là. A pas réussi. Lui là. Eh ben non. Et le grand. Il avance. Après, on a monsieur là-bas. Alors, le petit D6 qui fait chier tout le monde. 1, 2, Kara. Oui, Kara, Kara. Et après, on a monsieur électrique dans les flammes. Alors, il y avait son sort. Yes. Damn. Ça repart. Ouais, et puis il y avait ça aussi. Touc. Et touc. Et donc, 3 dégâts électriques pour toi, Katal. Ouais, y'a pas de soucis. Je vais te remettre en par-dessus, ce sera plus joli. J'arrive pas. Et c'est bon pour moi? Ouais. Bah, tu auras. Kara qui finit de fermer la porte. Alors, bon, allez, ceux-là, on les dégage, ils sont. Bon, alors on va pas les dégager. On va faire un tas là. Ouais, lui, il était là. Yes. Le gros passe la main sous la porte. Du coup, il reste quelques centimètres où la porte n'est pas fermée. Vraiment 2-3 centimètres. Et Kara, Kara, Kara. Examine la pièce. Non, bah... bien. À partir par là. Crawl, c'est fait. Ok, Martian. Et toi, Edouard ? Katal, Katal. Non, Katal, Katal, Katal. Oui. Ok, Katal. On est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'ai toujours l'effet ?
Ça va durer combien de temps mon effet que j'ai joué de l'autre? Oui, non, tu refais un test d'intelligence. Retest 2. Ah, j'ai pas une bonne stat d'intelligence, je suis à 40. Attends. T'as 40? Ouais, non. Ouais, prochain tour, tu l'as plus. Dans tous les cas, je suis dans mon élément actuellement. La guerre des éléments. J'aimerais essayer de vraiment y aller plus fort avec mon souffle, quitte à consommer de la mana et refaire des jets. J'aimerais vraiment y aller augmenter la puissance si possible en faisant ce jet là. Ah non! J'essaye de souffler, mais. C'est pas un critique. Ouais, je sais. Après. Ça ne demande pas de jet de continuer le souffle. Si, justement. Ah. Ça demande un jet et à chaque fois ça diminue de moins 10. Ouais. Ok. Donc, voilà, c'est le souffle s'arrête alors que je tente de le continuer et je tousse. Ça, c'est dommage. Ouais. Tu pourrais faire. T'as une demi-action encore, peut-être, si tu veux, mais. Après, t'es limité. Je tousse et je sors ma lance et je reste dans le nuage. Enfin, tu vois, genre, je suis dans le nuage électrique et je suis là en mode, bah écoute. Est-ce que c'est pas un signe? C'est pas un signe. Oh, allez, je sais. Je vais réciter une prière à mon dieu. Oh merde, t'as vraiment envie que la foudre te tombe dessus, hein. Je vais réciter une prière à mon au dieu des tempêtes. Oh c'est... putain, c'était le moment de faire un 24 là. Ah grave là, t'as ton dieu qui transperce les cieux. Non mais écoute, je suis au milieu de sa foudre. Je me fais laver de mes péchés par la foudre. Hein. Ok, c'est bien. Edouard. Edouard va foutre des coups de pied au bout d'os qui bloque la fermeture de la porte là. Oui, ça se passe bien. Hop. Et du coup, suite à ça, la porte descend un peu plus de ce côté-là. Elle reste bloquée par cette grosse main. Morkan, après ta roulade. Après ma roulade, je me redresse. Je tourne la tête de là où je suis venu. Je vois la grosse main. Je charge et j'abats de toutes mes forces ma hache sur les doigts pour la couper et que le mur se finisse de tomber. Ok. Fais gaffe, c'est un mini boss. Il est fort. Alors, il y a du monde ici. Il y a la main, il y a l'arbalète, il y a un piaf qui passe. Je vise la main hein, pour vraiment la couper pour que ça se... Ah, je me donne bien. Hein. Il y a beaucoup d'archers qui visaient autre chose. Hein. Ok. J'ai la 33. Tu vois, c'est... Boum ! Allez, guire la mimine. Ok, super. Ça touche bien. Je fais mon D4. Ouais, tu en fais un jet de dégâts. Ça veut dire ce qui se passe. Ok, tu coupes un doigt sur les 4 qui se passent. Bon, les 3 prochains tours, c'est ce que je vais faire. Ouais. Et tu vois les petits doigts qui s'agitent. Ils ont à moitié essayé de t'attraper ta lame. Une fois que t'as coupé un doigt, mais pas réussi. Et en même temps,
Il essaye aussi de soulever un peu la porte, tu verras à son tour. Nous sommes à Yalil, face à son squelette électrique. Je remets un coup d'épée. Okay. Chaud. Et je rate, lamentablement. Okay. Un peu gigantesque ce levier. Voilà. Ok, ça rate. Niline. La porte, oui, elle a commencé à s'ouvrir, c'est ça? Niline, son ouverture de porte, c'est vrai. Ouais. Bah écoute, j'avance hein, en esquivant les crânes. Pourquoi j'ai mis le crâne ici? J'avais pas cette token en bas. Ok. Toujours rien à dire, rien de plus à faire, Niline? Non. Ok. Et H. Alors H, qu'est-ce qu'il fait? H va me rejoindre. Et non, se poser sur mon épaule. C'est peut-être un peu trop pour un tour. Donc petit virage par là. Et prochain tour, il sera sur toi. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Bon. Ouf. Il arrive, dommage. Bon, lui, il ne sert plus à rien. Maintenant, ça va être ça. Ça, c'est un jet important. Eh ben, dommage. C'était un jet de soulevage de porte, bonusé par le sort que l'autre squelette lui a lancé. Mais il n'arrive pas à soulever la porte. Donc, tu vois que la porte fait quand même des petits soubresauts de 1 cm. Tu vois qu'il essaie de la soulever, mais il n'y arrive pas. Tac, ici, c'est mort. Il me reste ça. Oui, Kara, elle est intelligente comme fille. Yes. Elle résiste au sort du mini méchant. Et petit méchant. Parfait. Oh, déjà. Il y a 2 dés de 12 à faire. Et 9 heures aussi. Oh merde! Oh non, ça va. Ah, j'y crains pas l'électricité. Tu prends pas de dégâts électriques. D'accord. Dis-toi, Katal. H absorbe tous les dégâts électriques. Putain, on a Pikachu dans la team. C'est trop bien. Et il me reste le petit pépère. Alors, bon, on va voir. Soit ça, soit ça. Ah bah tiens. Va-t-il y arriver? Et ben non. Il fait des petits mouvements de main et rien ne sort. Ah merde. Okay. Je le regarde et je fais toi aussi, t'es à court de mana. C'est vrai qu'il arrive à court là. Et ça va être à Kara, mais faut que je fasse des choses avant que. Elle est où ma main? Elle est là.
6. Ok, super. Alors, je regarde Mortian, ça va aller. Je cours. Je pose un pied sur le mur. Et je m'apprête au prochain tour à sauter sur la squelette électrique. Et je te dis, Yalil, que j'aurai besoin de soins. Elle te dit ça, bouclier en avant, un pied sur le mur, prêt à sauter. Et c'est à petit Edouard. Alors petit Edouard, soit il fait ça, soit il fait ça, soit il fait ça. Soit il fait un truc complètement con, mais il va jamais faire 4. Yes. Ok. Il va suivre sa bien-aimée. Attends, est-ce que je suis au courant? De toute façon, non. De toute façon, non, il ramassera pas tes affaires, il sait pas que c'est les tiennes. Il n'avait pas vu. Moi, je me demande juste s'il a de la chance. On dirait, mais... Non, parce qu'il est clairement en train de marcher dans la flotte avec l'électricité. Ah, c'est vrai ça! Est-ce qu'il est. C'est vrai, j'ai pas capté ça. Ouais, ça prend. Hein. Donc, à savoir si. J'ai d'un tel de conneries quand même. Bah oui, il est con. Allez, faisons ça pour l'achever. C'est bon. Hop! Et. Chaos sonné, il tombe au sol. Morgan. Eh ben moi, ça va être simple. Simple et brutal. Je me concentre bien avec ma hache dans la main et je vais retaper pour briser les trois derniers doigts qui tiennent la porte. Yes. Petit jet de force, nique ta maman, ça rate. Tu t'acharnes sur les doigts déjà brisés. Bon, c'est un échec, mais c'est pas un échec critique, du coup, c'est que je vise à côté. Elle est frappée par balette. Tu t'es bien acharné sur un squelette qui était déjà couché. Tu frappes l'arbalète qui était déjà cassée. Ok. Pas de mots, pas de cris, rien. Ouais, shit. Bah, si, en criant, je fais. Tu vas lâcher cette porte! Ok. Super. Non, mais j'ai sauté Catal d'ailleurs. Comme ça, gratuitement. C'est vrai? Non, mais moi, j'étais en train de prier, c'est pas grave. Hein. Oui. Voilà. Et il prie. Ah, tes prières ont été coupées, t'as été oublié, quoi. Ouais, je t'en prie, Zizou. Du coup, j'ai fait une prière et là, je réessaye de bouger mes jambes et je vois que ça marche. Oui. Je prends ça pour un signe de mon Dieu. Oui. Je regagne foi en moi. Et je m'élance et je saute sur l'adversaire avec ma lance en avant. Oh putain, avec Kara qui arrive en même temps, ça va être beau. Ça passe. Yes. Pas excellent, mais... Et j'utilise... Enfin, je fais trancher. Voilà. Bien. 3. Tu prends un petit dégât électrique. Parce qu'il a toujours une base de 1. Je m'en fous. Et donc, tu fais un 3. Super. Bien. Propre.
Alors, j'ai fait ça, c'est Ayel, Lille, oui. Yael, tu vois la grosse brutasse là, sauter devant toi. Ouais, ben, je vais me tourner vers Kara, je vais essayer de la soigner. Super. Ah. Ouais. Ça passe. Yes, allez. Fais péter les dés. C'est excellent. C'est un super soin, ça. Et je me suis enlevé le mana. Ouais. Super, super. Putain, tu la remets bien. C'est... Bah, tu as doublé ses points de vie, quoi. Et Niline, alors. J'avance. Tiens. Bon, je te mets au pas de la porte. Je te laisse découvrir la salle. Et au moment où tu découvres la salle, il y a un grand sort comme ça de main qui se dessine. Voilà. Et donc, mini-moi disparaît et réapparaît là-bas en plus grand. Tu le reconnais, c'est lui en plus grand. Ouais. Ok. Il a une taille de Morcane, quoi. 2m30 ? Ouais, ouais, il a une taille de Morcane. Ok. Tu peux faire d'autres choses si tu veux. Inspecter la salle, j'ai le droit. Tu es une elfe, allez. Élargir mon champ de vision. Ouais. Alors, pour ça, il faut avancer d'un pas. Ok. Okay. Alors, élargissons le champ de vision. Ce que tu vois. Tu peux même voir ça. Ça, je t'enlève. Voilà. Donc, tu vois qu'il est entouré d'une bulle magique et en plus d'une aura électrique qui est dans la bulle, imbriquée dans la bulle. Et tu reconnais aussi ces fameux bon, tentacules, mais ce qui est des sorts. La visualisation de ces sorts qui partent de chaque côté. Là. Un rose, un option. Et je vous le dis à tous, parce que vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais le mettre en entier, comme ça. Donc ça, c'est au plafond, c'est pas au sol, il n'y a aucun danger, vous voyez juste le ciel, ça fait de la lumière, point, c'est tout. C'est une aération, voilà. Ok. Ok. Il n'y a pas de piège. Hein. Bon, vous pouvez y croire si vous voulez, mais c'est juste une aération qui fait de la lumière. Voilà. Ok. Ouais, avec son spell qui part dedans. Non, ça n'a rien à voir. Le spell passe en dessous, ça c'est vraiment au plafond. Et il y en a un de chaque côté. Donc. Ah, c'est pour respirer en haut. Ah oui, puis, là, pour faire la lumière. Et puis pour que Yalil puisse lancer ses sorts, qu'elle a besoin du soleil. Merci le game design. Ouais. Voilà ce que tu vois. Et puis deux leviers de chaque côté là. Des murs jusqu'au plafond, donc infranchissables. Hein. Ouais, voilà. Ok. Tu dis quelque chose, fais quelque chose d'autre. Je vais passer mon tour à regarder en fait et à le okay. Regarder lui en soi. Si je parle, ça sera au prochain tour. C'est un petit jet de chance, tiens, bon, tu y es allé. Je te le donner celui-là. J'en ai aucune idée, c'est tout juste si je savais où j'étais. Combien de chance, Niline? 50.
Ok. Tu regardes tout ça. Il y a plein de choses à regarder. Et tu vois tout ce que je t'ai écrit. Il nous reste H. H, épaule. C'est ça, sur l'épaule. Et pas quand on a les nuages, j'ai trouvé qu'on fait un ultra versé. Je te laisse le mettre, sinon. Ouais. Attends, j'espère qu'il est en deux. Ouais, si, il est en dessus, forcément. Ouais. Super, super. Alors, on a. Lui. Ah bah ça rate. Et lui. Ouh. Il enfonce son bras un peu plus loin et il va essayer de te choper, mon cher Marcanaroa. Bah, je vais esquiver. Ah ouais, ouais. J'essaie de te choper sur un 43. Ok, je vais essayer d'esquiver ou de parer, ce qui est le mieux, je pense que ce serait parer, vu que j'ai plus de force que d'Asie. Ouais, c'est de mettre la main. Balayer la main. Hop, allez. Ça passe. Super. Tu balayes la main pendant qu'elle essaye de te choper. Super. Mais donc c'est la main avec laquelle il tenait la porte. Ouais. L'enfant. D'accord. Il a fait un 18 sur sa tentative là. D'accord. Tac, j'ai Monsieur Électrique qui savait plus quoi faire là. Puis c'est tout. Ouais, bah ouais. Bon, Monsieur Électrique qui est plus très bien. Là. Il a bouffé ses derniers points de mana. Ouais, si. 50, ça passe. Il part en aura électrique. Tu proqueras sur moi à ton tour. Même tout de suite, hein, je pense. Ça va proquer tout de suite. Hein. Tu as clairement la lance dans lui, ça ? Ah oui, clairement. Ouais. Alors. Un petit 4. Ouf. B. Électricité. Ah, c'est bien. L'analyse d'électricité, c'est moi qui bouffe, c'est ça ? Mais. Tiens, H, il peut faire un jet de chance aussi. Peut-être qu'il va pouvoir te. Ouais, là, je sais pas loin là. Ouais, clairement, elle est divisée par deux. Tu prends que deux. Et les deux des 12. Ah non, mais lui, il est fini après. Attends. Ouais, voilà. Il sera fini. Et. Ouh, un petit 9h. Bim! Il l'a pas vu venir celui-là. Allez, un petit 4 dégâts dans ton dos, mon pauvre. Morcan. Ouais. Ouais, petit dégât donc, dans la gueule. Donc je me retire 4 points de vie, hein, on est bien d'accord? Ouais. Voilà. Et j'ai fini. Bien, alors. Ah, allez, tiens. À 61, tiens. Ouf. Bon, ouais. Bon.
Catal, qu'est-ce qu'il fait? Catal, il va redonner un coup de lance. Encore en tranchant. Ouais, t'es rien en train de lui sauter dessus en même temps. Ouais. Bah écoute. Il me semble que c'est doublé parce que c'est un critique, c'est ça? Ouais. Mais c'est bon. Il est coupé en deux. T'as encore? Tiens, tu fous la lance dans le bassin, Tiara lui tape dans l'épaule. Crabe. Mais il est coupé en deux et là, ça bouge plus. Il est HS. Bah écoute, tu me permets, vu que j'ai fait un critique, de terminer, enfin de dire autre chose? Je t'en prie. Ah, y aura pas de monologue cette fois, hein? Non. Après, il a pas fait esquive, hein. Ça se trouve, il va faire une esquive à 24. Non, très bon. C'est mort. Bon. Notre pauvre Edouard, il va pas jouer, hein. Ok, à moi. Ouais. Eh ben, c'est très simple. Déjà, je vais faire. Ah. Et en fait, avec la douleur a été. Voilà, elle m'a donné un bon coup de boost. Et en fait, avec la douleur plus la rage que j'ai depuis tout à l'heure, là, de rater mes actions, je vais abattre ma hache de toutes mes forces. Sur le bras de qui dépasse sous la porte, dans l'espoir de le couper en deux, de séparer le bras de notre côté de l'autre, pour que la porte se referme. Enfin. Hyper dans les monologues. Sans avoir... Et... Voilà. Normalement, tu fais ce jet-là, et après, tu peux dire des trucs, des dingueries comme tu viens de faire. Non, faut que je me motive avant pour que les dés proc. Ok. À la seconde où le nuage te touche, tu sautes. Du coup, tu reproqueras pas le nuage. Mm-hmm. Tu pètes le bras. Et la porte se ferme. Il reste le bras ici. Et donc le bras est bien coupé. La porte. Prendre la porte là pour bien faire comprendre que. J'ai pas le droit de prendre la porte. Putain, tellement de merde. Donnez-moi cette porte. Non, j'ai pas le droit de prendre la porte. La flèche. Ah là, voilà. Voilà. Enfin. Et donc la porte se referme entièrement. Et le bras est de ton côté. Galil maintenant. Non, si, non. Oui. Si, c'est moi, je crois. Oui. Je vais récupérer mon épée. Oui, puisque je l'avais. Je vais m'assurer que Kara va bien. Ouais. Contente, satisfaite. Catal a l'air d'aller bien aussi. Je vais rejoindre Nili. Enfin, je vais tourner. Ils sont en train de se taper dans la main. Ils se tapent dans la main tous les deux. C'est ça. Bien joué, c'est fini. Fais gaffe, il y a un tas de cendres par terre. Ouais. Tiens, du coup, tu pars en direction Niline. C'est ça. Okay. Pas de. Tu dis rien de spécial? Non, vraiment de spécial à vivre. Tout le monde va bien. Enfin, sauf Edouard, mais je ne l'ai pas vu. Donc, je suis partir du principe que tout le monde va bien. Puis on a un petit coup de jus quand on se tape dans la main. Petite décharge électrique. Ça les rend plus virils encore. Putain, ça m'arrive trop souvent au boulot quand je dis bonjour au chariste. Hein. Voilà. Euh...
Et on a Néline à poil. Non, on n'a pas joué. J'ai encore sauté le tour à Tiata. Ouais. Hein. Je vais plus le faire jouer. Hein. Non, si, t'as joué. Mais si, t'as joué, puisque tu l'as achevé. Oui, si, si. Si, il a joué, Katal. Oui. Donc, là, Néline dans la dernière pièce. Lol, je viens de retrouver un paquet de gâteaux. Bah, j'attends de voir si le mob en face, il réagit, en fait. S'il tente de parler ou quoi que ce soit, j'attends. Ouais, il va te parler. Il va te dire... Vous avez réussi à rentrer dans la dernière pièce. Je n'aurais pas cru. Je vous laisse encore une chance de partir d'ici. Vous le savez très bien, vous avez aucune chance de passer. N'est-ce pas? Je vois clairement qu'il y a un truc qui le protège, hein, on est bien d'accord, MJ. Ouais. Écoute... Non, la bulle englobe vraiment tout. Écoute, Néline, elle va tenter un truc, elle va tenter un bullshit. Elle va tenter d'invoquer le crâne. Oh putain, ça va faire de la merde ça. Alors. Bah oui, puisque logiquement, le crâne il s'arrête pas tant qu'il a pas atteint sa cible, sauf que bah, le bouclier c'est un truc magique, donc littéralement. C'est... Alors. Invocation du crâne. Ce qui fait que. J'ai quoi comme objet qui va encore se barrer? Tu les as virés les autres? Ouais, ils sont là-bas. Tu non, non, je les ai laissés. Mais... Non, toujours pas. Alors. Ouais, il y a trois chaises qui sautent là. Oh putain, c'est vrai qu'il faut que je mette des trucs. Ah oui, le crâne en piège, c'est ça que... En vrai, je suis à deux doigts de tout sortir de mon inventaire. Oh, il y a déjà trois chaises. Et ta tenue de rechange. Il y a aussi les fioles de potions anti-mort-vivant. Je sais pas si c'est toi qui l'avais dans ton inventaire. Non, ouais, c'est pas son inventaire de vide en tout cas. Je sais plus. Je ne la vois pas, Draken. J'ai pas dû l'écrire. 5 pièces d'or par terre, 3 chaises et ta tenue de rechange. Okay. Je vais tout mettre. Bon, ça, c'est dégueulasse. Putain. Draken, on entend ce que t'écoutes. Et le crâne. Le crâne, donc, il va bien partir et il va s'éclater sur le dôme. Et se détruire suite à ça. Ok. Tu as un bouclier de chaise devant toi. Tu lui réponds ou pas? Pendant que tu lances ce crâne. Attends, rappelle-moi ce qu'il a dit. Que vous savez que vous avez aucune chance de passer. Oh.
Non. Je le regarde, bêtement. Ah, je... Ouais. Ouais, je parlerai au prochain tour. Ok. Il reste là, je veux. Spécial, là, je reste là. Sur ton épaule. Ah, je reste tranquillement sur mon épaule. Tout ça. Pour l'instant, elle est bien là, ouais. Alors. Ça, ça peut, et ça. Petit 12, là. Ah, c'est bon. Le nuage part dans le mur. Celui-là disparaît. Les crânes au mur tombent en poussière. Vous voyez ça là. Donc, les crânes au mur tombent en poussière. Et c'est ok. Vous n'êtes plus en combat, on va dire. Et voilà. On n'est plus en combat. Qu'est-ce que vous faites tous? Moi, je... Vas-y, dis. Bah, c'est Pilou qui parle en premier, donc... Moi, au final, je vais tenter de parler. Bon, alors, dis-moi tout. Je vais regarder, je vais faire... C'est donc vous qui bloquez le chemin. Aïe. Il regarde derrière lui, il fait oui, il va falloir passer derrière moi. Il n'y a pas moyen de s'arranger, je suppose. C'est ce que j'allais vous dire. De quoi, qu'il y a un moyen de s'arranger? Je vous laisse partir. Si l'un d'entre vous reste avec moi. Ça me va. Je regarde derrière moi. Et puis il va te faire partir là-bas. Donc derrière vous. Et pour passer derrière vous. Attends, les bras sur le côté, genre, viens quoi. Attends, nous, savons très bien que vous n'en êtes pas capable. Je vais m'approcher de sa sphère. Ouais. Je me décale. Vas-y, pardon. Ouais. Et... Elle est faite en quoi? C'est de la foudre? C'est quoi? Donc c'est une bulle magique et en plus il y a de la foudre qui... Bon allez, petit jet de chance, puisque tu t'examines fortement. T'as pas autant? Non, j'ai pas autant. Bon, tu sens pas la magie de toute façon. Bah écoute, je vais regarder la sphère et je vais faire... Il y a beaucoup de place là-dedans. Mais il va te faire oui si t'es prêt à me rejoindre. Et donc, il va tester un sort. Encore le tentacule. Est-ce que tu es prête à donner ta vie à lui ? Pour le rejoindre dans ses rangs. Non, mais par contre, j'ai un tas de bordel dans mon inventaire que je veux faire spawn dans sa bulle. Oula. Je vais juste me mettre devant debout et je vais faire spawn toute la merde que j'ai. Jusqu'à ce qu'il ait plus de place dedans. Divine en mode syndrome de Diogène. Lily, mais le chaotique est vide. Alors, en vrai, j'ai pas tant de trucs que ça dans mon inventaire. Un T-Rex, 3 paquebots, 5 porte-avions. Une table, 2 chaises, c'est ça les plus gros trucs, je crois, maintenant.
Ouais, clairement. Non, par contre, ce qui peut lui faire de l'effet, ça peut être la grenade qui va spawn et qui va rouler. Ça peut lui faire peut-être un petit effet. Déjà, petit jet de... De mental ? Résistance mentale. Ah. Et, t'as pas intérêt à faire 100, parce que là... 44, ça passe. Ok, donc ça passera pas. Il a essayé de... De me faire rejoindre. Que tu voulais le rejoindre dans ses rangs, mais en plus, te lancer un sort si ça passait pas. Et ça passe pas. Bien, bah, tu pourras faire. On attend, on fait jouer les autres. Vas-y, je jouerai au prochain tour. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils racontent ? Bah, si ça vous dérange pas, mon père Morkan, il est en mode... comment dire ? Je suis toujours enragé, donc je me mets à tourner sur moi-même pour chercher d'autres squelettes, d'autres monstres à affronter. Et ma question, ça va être simple. MJ, est-ce que je le vois, lui, là-bas, sur son petit piédestal ? Non. Non. Je vois pas la bulle de... Non. Tu vois un peu de lumière, mais c'est tout ce que tu peux voir. Donc, bah, je me dirige d'un pas décidé, en mode vénère, et voilà. Objectif, là, c'est que je vais tout droit. Je cherche un mec à bolosser. Quelque chose à bolosser. Pauvre Edouard, quoi. Donc, tu me dis jusqu'où je peux avancer, et puis... Ouais. Bah, hop, les autres pendant ce temps-là. J'avance toujours avec H sur le dos. Ouais, tu vas le rejoindre. C'est ça, je vais rejoindre. Et moi, Katel, avec... Avec sa consoeur. Katel va regarder Kara et va lui demander comment elle va, quoi. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va mieux avec le son qu'elle m'a donné. T'es prête pour la prochaine salle ? Ouais, je sais pas si... Elle est déjà partie là-bas. Bon. À tous les coups, on va voir le maître des lieux. Attends, j'ai un truc à récupérer. En l'honneur... En l'honneur d'Atalcalor. Tu te souviens de son nom? Je vais prendre son casque et le mettre dans mon inventaire. Putain, je l'ai supprimé. Attends. Si tu veux, je peux l'envoyer sur le boss aussi. Hein. Non. À moi l'artefact. Même si c'est pas un artefact. Tu prends le casque et tu récoltes les cendres avec ? Ouais, pourquoi pas. Okay. J'irai les répandre sur la ville humaine, j'imagine que c'était là qui était chevalier. Ouais. Donc tu nous notes casque avec les cendres de Atalcalor. Voilà. Comme ça, il sortira vraiment à jamais de cet endroit. Oh non, je sais, je les jetterai en haut de la montagne. Il sera finalement libre. Ça fait bien. Katal paladin. Échec critique. Bien.
bien. Les deux là devant, enfin devant. Vous avez dit quelque chose Le petit couple là. Morkan et Yalin, vous parlez entre vous ou pas? Moi je suis en mode Furax, hein, donc parle pas, j'avance d'un pas décidé, je cherche quelqu'un à me bolosser toujours, hein, sauf si Yalin me calme ou voilà. Ah sinon... non, je vais te laisser comme ça parce que sinon il y a quelqu'un devant un bolos. T'es censé en mode, être en mode bavarde, Yalin, hein? Ah oui, c'est vrai, non, ça. Ouais, ouais. Je vais regarder Morkan, du coup, je vais demander. Tu penses qu'on va en venir à bout? Voilà tout ce que tu entends. Pas très bavard. Là, en fait, si tu veux, ce que tu peux voir, c'est que tous les muscles de Morkan, tu vois les veines apparaître. Ok, d'accord. Ok, je vois. Là, tu sais que si tu lui dis tu ce dragon, il y va, il faut un pas dans le dragon direct. Non, moi, je vais rejoindre Méline. Peut-être qu'elle sera plus bavarde. On va laisser jouer aussi Yadine après. Yadine. Pendant que tu ramasses les cendres, Kara remarque la chaîne. Et puis, parce qu'elle a fait un super 6 là. Ouais. Et te rappelle que. Il est où, Edouard? Puis pourquoi il y a des affaires à la chaîne là? Je sais toujours pas ce que c'est, moi, cette chaîne. C'est la chaîne que Néline avait parlé. Et elle va avancer un peu et faire. Il est là-bas, Edouard! Et là, elle est tiraillée entre. Qu'est-ce qu'on fait? Merde, il est... Enfin, je vais plus regarder, il est évanoui. Il est adossé au mur, ouais, évanoui, tête baissée. Oh, pas encore! Je le tue, il a dû tomber d'un arbre encore. C'est ça! C'est... Ah, mais écoute, je vais le porter jusqu'à la prochaine salle, on va l'amener à Yalil. Je prends la chaîne. Et je vais là-bas. On se retrouve là-bas. Il y a d'autres choses au sol? Il y a la cage à main et une marmite vide où l'eau est renversée par terre. Bah, si tu la vois, tu vois clairement que ça va être ma marmite. Hein. C'est celle que j'utilise à chaque fois de camp. Donc. Ce n'est pas le bon perso pour la marmite. Désolé. C'est vrai. Et trop petite celle-là. Ça fera un super casque. Ah, c'est bon, j'en ai un autre. Bon bah écoute, Edouard, pas bon. C'est parti. Je te traîne. Non, je le porte. Comme une princesse. Je te le donne. Hop. Merci. Parfait. Je commence à vraiment avoir tous les persos. Hein. Et donc pendant ce temps-là, on a notre Nilin qui voulait encore dégueuler son inventaire. Non? Alors, si tu m'autorises à faire ce que je m'étais entré, j'avais commencé à faire des. Enfin, Nilin avait commencé à faire des essais pour faire spawn ses objets plus loin. Je veux essayer de faire spawn au-dessus. Au-dessus de lui. C'est très loin. Là. Ah, bah oui, la table en chaîne, ouais, c'est lourd, ouais. Oui, mais je disais c'est très loin. Ok. Alors, bah ok. Va nous faire un bouger. Allez. 75. Combien je fais? 12. Oh, c'est un beau jeu. Ça réussit. Alors, comme table. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui vont partir, ça va être à moitié récupérable. C'est une table ronde, je ne sais plus laquelle j'ai pris. Je pense pas, j'avais pris une carte. Elle était rectangle, je crois. C'est bon.
Elle était rectangle et, et elle était finement gravée par un katana. Je sais pas si elle était pas ronde, je pose la question si c'était pas. Enfin, pas ronde, mais ovale. Enfin, c'est peut-être celle d'au-dessus, je sais plus. Oh. Ouais, pourquoi j'ai. C'est pas... Mais l'enfoiré! Quoi? Mais c'est ma table! Mais oui! Mais putain, c'est... moi j'avais pas compris! Mais c'est mes chaises! Mais oui! Mais c'est mon mobilier qu'il est en train de me lancer sur le boss! Mais tu sais combien de temps j'ai passé à les faire? Ah, mais il y a les fourchettes, il y a des couteaux, il y a tout qui part. Hein. Moins d'une journée. Moins d'une journée. Putain de merde. Oh, si j'avais su, je t'aurais pas laissé les garder. Eh, dis-toi que ça va participer à un kill de boss, potentiellement. Heureusement qu'on a laissé la statue. Il se la serait pris sur la gueule aussi. Hein. Je sais. Hey. J'imagine bien être là en mode, mais arrête! Mais arrête! Et là, t'as la statue de Katal qui tombe et qui tue le boss. Tu vois, tu l'as tué. Assistance. Assistance. J'avais pris les couverts, je sais plus. Ah si si. Si si, c'est écrit. Ah ok. Ah, c'est pas mes couverts à moi. Il y a les deux. Alors. En terre du vide. On a. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la grenade aussi, ouais. Grenade à partir. Bon, tu peux l'enlever hein, parce qu'elle va être utilisée. Ouais. C'est quoi un enduit laconique Toulou? Ah oui, d'accord. C'est l'enduit laconique Toulou. Yeah. Il y a rien d'autre à dire, c'est ça. 3 cuillères. Pourquoi deux bois? C'est quoi deux bois? Deux bols. Ah, des bols, ok. Ah, bah, je te dis, les bols, les cuillères, les dernières chaises, la table, ça saute. L'épée de Kaïs, tu l'as dans les mains, là? Ouais, ouais, je l'ai dans les mains. Ouais. La chaîne. La chaîne, elle est déjà partie, tout à l'heure. Potion de sommeil, ça serait drôle. Franchement, ça serait drôle, mais ça, mort-vivant, ça aura pas d'effet. Enfin bon, après, ça, on s'en fout, mais... On peut se prendre l'argile aussi sur la gueule. Allez, potion de sommeil à saute, donc tu peux la virer. Ok. T'as, dis-moi qu'il s'allait en dehors. Le crâne aussi en piège, il a été détruit. Ouais. T'as une dague aussi. Ah, le bout de bois ensanglanté, il serait parfait. Allez. L'assise du kill de Katal, encore une fois. Toujours. C'est le bout de bois, tu sais que tu t'étais enfoncé dans le dos. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il est toujours dans mon inventaire, ouais. T'as vraiment que de la merde dans ton. Tu fais jamais tri en fait. T'es vraiment atteint du syndrome de Diogène. Hein. Je blaguais tout à l'heure, mais là on le voit. Il y a le lézard juif, il y a les cinq jolis. Ah, attends, fleurs. Attends, j'ai pas la. La tête de je sais pas qui. Mais putain, j'ai si, j'ai la niche. La niche de Warg. Mais c'est plus un boss là, c'est un cirque! Non, il y a déjà plein de trucs qui ont passé la partie. Je sais pas ce que t'as enlevé, on fera un point plus tard. Ouais. Ça. Le boss, il se retrouve avec de la merde, ça va le saouler. La grenade, donc, retentit. Dans un fracas de bois et tout ça, tout explose à l'intérieur. Pendant que Morkan et Yalil arrivent.
J'espère qu'au moins il est surpris. Il y a un gros bordel qui se fait là. On est dans le bordel. Qu'est-ce qui se passe pendant le bordel? Il y a fumée. Vous voyez plus rien. Qui faites-vous pendant ce temps-là? Qui veut jouer? Je veux bien. Ou comme tu veux, Néline. C'est comme tu veux. Oh, moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini mon tour. Hein. Je pense que j'ai envoyé assez de bordel dans son truc. Hein. Ok, bon, là, je vais continuer d'avancer tout en protégeant les yeux. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est juste m'avancer pour l'instant. J'ai une idée, mais il faut que je continue d'avancer. Vous n'êtes pas en combat, hein. C'est assez libre. Ouais, mais je veux bien en fait rentrer dans la bulle, le choper par la main et enlever mon gant. Donc je suis pas sûr que ça soit jouable pour l'instant. Bah surtout que je suis pas sûr, je pense pas qu'on puisse passer à travers la bulle. Non, c'est ça, voilà. C'est pour ça que pour l'instant je. On verra. On verra. Je vais déjà attendre que la grenade retombe et on verra. Bien, Morkan. Là. Bah je suis toujours en ligne droite, j'avance au plus proche du mur. Donc je sais qu'il y a l'ennemi derrière ce mur magique. Ouais. Et bah je vais faire ce que tout bon Morkan ferait quand il est en fureur et qu'il veut casser quelque chose et qu'il veut casser la personne qui est derrière ce mur. C'est que je vais frapper le mur. Dégâts électriques plus repousse. Je fais aussi peut-être mon jet pour savoir si j'y arrive à le. Bon, ouais, va rater ça. Non, dès au moment que ton arme la touche. Ah non. Hein? Pas avec mon arme. Non. Ah, au point. Ah, au point. Je vais frapper avec mon. Je vais foutre une patate de four, hein. Et je vais voir si je peux essayer de péter la barrière. Au moment où tu touches, paf, tu te prends une méga décharge. Qui te repousse en arrière et te fait donc 4 dégâts. Ah, je peux pas faire un jet de consti pour voir si je recule. Non, trop puissant. D'accord. Alors, je vais me changer. Moins 4. Le nuage commence à se dissiper. Cœur arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Dit-elle en traînant la chaîne au sol. J'imagine bien le. Des petites boîtes! Petite réponse. Paf, l'autre tape le mur. Logique. Si Niline ou Yanil va me répondre. Non, enfin, je me retourne vers Kara sans rien dire pour le coup. Bon, sans là, tu peux approcher un Catal. Tiens, petit jet de consti de table là. Putain, la table est pétée. C'est pas grave, on a le fabricant avec nous, on pourra en refaire une. Toujours là, Tatal? Non? Oui, non, t'inquiète, j'arrive. Je suis en train de ramener l'autre, et puis je suis en train de voir ce qui se passe, je suis en mode. Mais c'est mes chaises! Puis c'est quoi là-bas? Pourquoi il y a. C'est vrai que c'est l'heure de manger, mais c'était peut-être pas le bon moment. D'ailleurs, bah, elle est où la table? Ah mais écoute, je vais poser Edouard sur une chaise, du coup. Autant que ça serve. Putain, il passe en dessous, ce con!
et le nuage se dissipe. Et bah derrière, vous voyez le mec. Oh non, attends, on va le faire assis sur une chaise et endormi. Attends, quoi? Il est assis sur une chaise et puis bah, il est dans le même état que t'as trouvé Edouard. Assis, regarde le sol. Bras ballants. Son bâton est tombé par terre. Et il y a plein de bordel, des pièces d'or, des fourchettes, la table cassée. Tu peux mettre Edouard au-dessus des chaises, s'il te plaît. Ça me stresse. Tac, 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 tac. C'est bon. Merci. Attends, tu veux me dire qu'il a réussi... Ma table ! Cassée. Elle a raté. Elle a raté son jet. À l'enfoiré. Il a pris des dégâts avec la table. Ah mais attends, tu veux me dire que là, il y a Néline qui a réussi à one-shot le boss. Enfin, l'incapacité. Ouais. Voilà, voilà, vous en êtes ici. Qu'est-ce que tu veux? Je regarde l'abus. Là, c'est toujours pas retiré. Non, ah non, non. Je regarde, je fais bah apparemment le mur magique ne doit pas venir de lui. Yalil qui a des compétences magiques, tiens, je vais te demander un jet. Ouais, j'allais proposer de faire un petit jet en fait. 44. Okay. J'essaie de l'entendre, ça passe. Alors, qu'est-ce que ça raconte pendant ce temps-là, Néline, après t'avoir fait ta bêtise, tu rigoles, tu... Bah non, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit, bah, toute évidence, c'est pas lui qui maintenait le pouvoir magique. C'est tout ce que j'ai dit. Je regarde aux alentours comme limite un peu fou et je regarde ce qui pourrait me permettre de passer cette barrière pour aller dégommer cette phase de squelette. Bah tu vois des sorts, des grands sorts comme vous en avez vu l'autre fois partir, perte de vue là-bas. De chaque côté. Je vois ces deux leviers. Ouais, bien sûr. Je me dirige vers ces leviers. Je bouscule les chaises, no respect. Je vais vers le levier et j'en attrape un et je l'actionne. Clutch. Pas d'effet. Je vais, j'irai à l'autre si tu veux pas faire parler les autres. Je vais aller à l'autre pour baisser l'autre levier. Tara, tend la chaîne, je crois que c'est à toi ça. Laisse-la là. T'inquiète pas, on verra, on regardera ça plus tard. Et les chaises là, il y a même des pièces d'or par terre, c'est normal. Elle va lever les épaules, elle va regarder Kara en mode. J'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, elle va voir qu'il y a, ça, il y a une tenue de change qui est par terre et elle va se diriger vers la tenue pour se changer. En fait. Enfin, pour s'habiller simplement.
Oui, quand même, oui. Met sa main sur son front, elle se frotte tes yeux et s'en va. Je vais tapoter l'épaule à Yalil. Oui. Et lui dire, on a retrouvé Edouard inconscient. On pourrait t'en occuper si tu peux. Je sais pas ce qu'il a. Pas tout de suite, mais dès que je pourrai, je le ferai. Ouais. Je suis désolée de ne pas pouvoir le faire maintenant. Mais c'est juste que j'ai besoin d'un peu de temps pour me remettre après t'avoir soutenu. Oh, je vais essayer un truc, mais... Et voilà, dans sa gueule. Non, essaye pas. Attends, sois juste... Ah, mais ça marche des fois avec les nains. C'est pas un nain, mais... Enfin, ils font comme ça, des fois. Ça marche pas. Bon. je reviens là. Pendant ce temps-là... Il est passé de l'autre côté, pépère. Pendant ce temps-là, t'as voulu faire quelque chose, Catal? Mes chaises. Non, mais Catal, il va regarder Edouard, il va essayer de le réveiller en mode eh. Il se prend une claque pendant ce temps-là. C'est ça, il va prendre une petite claque. Ou pas très fort la claque, hein, vraiment. Ah non, bah non, je voulais faire une claque pas très fort, bah du coup, bah. Bah, ça fait deux claques qu'il se prend. C'est Kara qui a mis une claque, tu lui en mets une deuxième derrière? Ah oui, je lui en mets une deuxième, mais tu sais, moi je voulais la faire un peu douce, tu vois. Il joue au tennis de table avec la tête de... Sauf que j'ai oublié que j'ai, tu sais, j'ai mes gantelets en argent, tu vois, genre blah. Ah non, mais du coup, vu que Kara en met juste une d'avant, bah du coup ça bouge la tête et puis hop. C'est bien. Ah ouais, ça rebouge dans l'autre sens, bah oui. Je reviens à côté de toi. Que ça a pas marché? Non. Bah, du coup, je vais dire à Kara, ça a pas marché. Ça marche que avec les nains bourrés, je crois. Ouais, c'est un elfe. Au pire, on peut utiliser la chaîne. Non, mais Yalil va s'en occuper, elle m'a dit. On fait quoi maintenant? Je sais pas. Je pense qu'il faudrait réussir à éliminer ce truc là derrière la bulle, mais faudrait l'ouvrir quoi. Pendant ce temps-là, la porte se ferme parce que Arcane a actionné le deuxième levier. Putain. Voilà. Est-ce que en faisant ça, la barrière et le truc électrique c'est fermé? Bah, bien sûr que non. Donc bah là vous entendez un. Je commence à vraiment m'énerver encore plus. Et je tourne un peu, tu sais, enfin je regarde un peu aux alentours, j'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient attirer mon œil. Je vois les deux mandales successives de Catal et de Kara qui se sont amusés à jouer le truc. Donc je me rapproche. Ouais, ça marche avec toi, des fois. Je me rapproche. Je lève la main. Comme si je participe. Je lève la main. Et alors petit jet de dé, si je fais 50, si je fais 50, moins de 50, je fais mon action calme. Si je fais plus de 50, il se prend la claque du siècle. Oui, mais déjà Yalil va intervenir aussi, non? Non, au prochain tour, j'ai le coup de donne en fait, donc Non, mais même lui dire arrête, déjà. Ah ouais, mais j'aurais dit arrête. Tu sais, j'aurais dit que j'allais le faire, mais il m'écoute pas, donc je. Non, on est. Ok, moins de 50. Tu fais rien. Non, donc non, je. Il n'y a plus de tour, t'en fais pas. Non, c'est. J'ai dit que je le faisais avec ce que j'avais comme idée en tête, mais en version calme, c'est-à-dire pas brutale, quoi. Donc, je lève la main, je la plaque sur au niveau de sa gorge, et j'arrache la tête.
Non, non. Son pouls, il bat normalement ou. Ou pas. Je sais plus là. Avec les claques qu'il a pris. Attends, j'avais dit. Yadil, elle avait. T'as combien de PV max toi, 20 22 Ah, ok. Non, ça va, il s'en pouls pas encore. Ok. Bah, dans ces cas-là, toujours en ayant la main sur son cou, j'essaye en fait de. Grosso merdo, je vais essayer de lui envoyer un peu de mon énergie pour qu'il puisse reprendre son. Et au moins reprendre juste conscience. Tu vois. Voilà, ça devient une chamane est revenue. Ça y est, il a réussi à faire pousser des fleurs, il croit qu'il va tout faire. Et ça passe. Il croit qu'il peut tout faire, 24. Moi, je crois qu'il peut tout faire, même. Bon, tu accélères son. Tu accélères son rythme sans rien. Il ouvre les yeux. Il a la gaule. Il voit. Il a poil en face de lui. Non, je suis en train de me raviver. S'il vous plaît, le temps que, que tout le monde lui ait mis des baffes, quand même, j'ai eu le temps au moins de me raviver moi aussi. Oh, tu veux pas lui donner ce plaisir? Oh, non. Dommage. Moi, je te propose un truc, voilà. Un pourcentage de combien je suis habillé. Voilà. Vas-y. C'est. Oh. Un bon 60, c'est un. Ça va. Je suis en train de. Et là, il t'a vu le dos nu. Il t'a vu le dos nu. Accorde-lui ça. Ah, c'est la partie où t'es dénudé. Oh, il a vu le dos nu, quoi. Je suppose qu'elle nous tourne le dos. Voilà. Et si tu me permets, en me faisant cette action-là, je regarde Kara et Katal, je fais c'est bon, il est réveillé. Maintenant, on trouve moyen de casser ça. Moi, j'ai envie de le fracasser. Et je repars vers la pièce, vers les murs, pour voir s'il n'y a pas des mécanismes cachés ou autre. Voilà. Bien. Non, mais je vais finir à la fin de l'aventure, je vais finir par être le plus grand mage de l'île. Sans mana. Sans connaissance magique, j'arrive pas. Par contre, dès qu'il s'agit de parler à un poulet ou à un piaf, j'y arrive pas. Hein. J'en connais bien qui est le plus grand mage de l'île et puis il a pas de talent, mais bon. Si, il a un talent dans un domaine. C'est un archimage, hein, c'est ce qui m'a sorti. Hein. Pour être archimage, il faut seulement être bon dans son domaine. Donc. Est-ce que vous voulez je pose la question, mais est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête maintenant? Moi, je pense s'arrêter, ce serait quand même une bonne idée. Bah, Kara, allait juste dire. Faut qu'on le suive ou on. On fait une petite pause là. On n'a pas l'air pressé. On peut souffler un peu. Pourquoi pas? Ça nous permettra de nous remettre d'aplomb. Il va falloir l'arrêter. Eh, attends! Il a l'air énervé. Il va falloir le calmer. Ouais, laisse-le faire. Et il va encore. Je vais essayer de faire spawn mon arc à l'occasion, mais. C'est vrai? Bah oui, il était pas écrit. Oui, il est pas écrit, mais comme je t'ai dit, j'avais pas écrit tout mon stuff. Genre, absolument tout. C'est ton arc. Tu le mets dans cet inventaire-là ou tu le mets dans ton dos? Ah non, lui, il est parti, c'est vrai, il est parti. Bah, déshabillé tout oui, le monde, c'est ça, quand j'ai perdu tout mon. Quand j'ai. Ah oui, mais du coup, il y a les armures et tout ça aussi. Oui, il y a mon armure de ce set-là. Non, mais enfin, l'armure du monstre. Bah non, tu m'avais dit qu'elle avait. Ah oui, non, c'est parti en poussière, oui, c'est vrai. T'as un tas de poussière en plus aussi. Bah écoute, il se l'est pris sans doute sur la gueule. Voilà. C'était ça la fumée. Ça la fumée, ouais. Bah très bien. Bon, on a fait la salle. Putain, c'était chaotique, hein. Ah, d'ailleurs. Bon. Mais on a réussi.
D'ailleurs, vous avez pas vu, mais le bras du monstre s'est transformé en mini monstre. Oh merde! C'est ce que je voulais faire. Ah, du coup, on s'est barré avant. Mais du coup, Morkan a fermé la porte. Bon, sinon. Si tu veux, tu l'as vu quand la porte s'est fermée. Et tu t'es dit ton mieux. Au moi, je le trouve trop mignon, je veux le mettre dans ma Pokéball. Ah non, moi, moi si tu veux, je cherchais juste à, avec les leviers à ouvrir la bulle du monstre. Hein, donc, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé vers la salle. Quoi. Est-ce que l'Alia qui a réussi son jet de tout à l'heure a une idée de ce qui fait que. Non, puisque Dragon il l'a dit après, donc j'ai pas plus d'indices que vous. J'ai pas compris ta demande. Quoi ? Bah, il en a parlé, Dragon. Le problème avec les. Enfin, le truc avec les sorts, là. Ouais, parce que moi j'ai compris, hein, mais. Oui, je pense qu'on est la plupart à avoir compris, mais. Enfin, Ketal, je suis pas sûr qu'il ait compris. Attends, je vais même faire un G hors session, là. Vas-y. The prophecy is true. Le mec il a compris, il a regardé, il a fait mais attends, ma divinité elle m'en a déjà parlé de ça. Mon personnage et moi IRL, j'ai rien compris. Bah, il veut le dire à haute voix, hein, avec un 24. Il va dire à haute voix que c'est étrange, les deux sorties. Non, attends, d'abord, Katal il regarde le truc, et puis d'un coup, le prophétie, c'est tout. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, mais elle est géniale. Et donc, on attend la prophétie. Hein. À toi. Ah mais écoute, moi j'attends d'avoir la vidéo. Hein. Bon. Attends. Je peux pas la mettre parce que le stream. Oui, t'inquiète. Mais du coup, Katal regarde la bulle avec la musique d'Interstellar en fond, les yeux grands ouverts, et là en mode Mais il y a des catalyseurs. Les traits là. Merde, attends, je fais plus les. Ah si, voilà. Les traits là, c'est de la magie qui part de catalyseurs et qui sont là pour alimenter cette bulle d'énergie. Je connais. J'en ai déjà vu. Il faut les couper pour désactiver la bulle. Il faut. Et puis paf. Un escabeau. Et puis paf, plus rien. Genre, ça, c'est le moment d'illumination, c'est arrêté. C'est ça. Il faut. Ah. Du coup, oui, bah, le violet pour la bulle. Le cyan pour l'électricité. Ça, il est là en mode. Il faut les couper, il faut les. Mais c'est ma table! Mais elle est brisée! Bon, je vais faire le jet 1-2 si j'ai compris ce que t'as dit ou pas. La dague plantée dans la chaise. 1, j'ai compris. 2, j'ai pas compris. Hein. T'as compris. Ah, oh. J'ai compris. Du coup, j'ai vu l'univers être né. J'ai vu la naissance de l'univers. J'ai vu tous les atomes individuellement dispersés dans différentes directions au travers du noir néant de l'infini. J'ai vu l'univers vivre. J'ai vu l'univers mourir. Bon, allez. Super. Bon. Fin de l'épisode 44. Bonne soirée au stream. Bonne soirée le stream. Bonne soirée le stream. Bonne soirée le stream.